Expect more from a lineup like Vitality. More refined and a more better understanding Vitality of where they want to go in the game. Okay guys, are you ready? This is really good teamwork from HGK, not leaving any man face-checking on his own. This should be the final fight. Knight gets turned into a munchkin. Not even Exhaust can stop the damage from coming down. Sartorius is dead. The Inhibitor as well. The Nexus Stone is the focus. Lions are one step closer to the Summer Split. Live from Berlin, Germany, pour cette dernière journée de 8e semaine de LCS Europe avec H2K Vitality qui arrive dans quelques instants. Vous voyez les deux line-up fin, prête. Salut Joko, salut Cabo. On voit pas les autres. Bisous, bisous. Il y aura Achani, il y aura Steelback et il y aura bien sûr notre éternel Nuke Duck. Et en face, la monster line-up H2K. Ouais, Odoane, Yanko, Sebiva, Nuclear et Shay qui vont aller affronter ces Vitality qui n'ont plus aucune raison de jouer. Plus aucune. Malheureusement. Voilà, c'est fini. Bon, allez, salut. Salut. Bon, les enjeux, allez, effectivement, comme vous l'avez dit dans le pré-show, sont extrêmement limités. H2K ne peut pas vraiment accrocher la première place de ce groupe B et Vitality ne peut pas vraiment non plus s'extirper de cette quatrième place. Donc, ce sera un match-up neutre, un match-up pour rapport de force, un match-up pour montrer un petit peu que après. Au niveau du summer, on sera peut-être encore une équipe menaçante. Ouais, je sais pas tellement comment interpréter ça. Pour le mental, on va dire. Pour le mental. Cool de réussir à jouer une game de manière plus détente. Mine de rien, pour les joueurs, ça peut être aussi reposant, en fait. De se dire, ok, cette game-là, il n'y a aucun enjeu. Du coup, on va pouvoir la jouer un peu plus tranquillement, sans subir de pression. Ouais, un petit peu comme la super line-up chinoise lors des Worlds 2015. Une fois que tout est perdu, on peut enfin jouer et gagner des parties, même si ça ne sert plus à rien. Oui. C'est un petit peu dommage d'en arriver là, effectivement. Mais pour Vitality, voilà, c'est une saison qui est officiellement terminée et un projet qui devra être jugé, bien mon cher Tech, en deux splits. On verra, effectivement. Pour les Vitality, c'était un pari, pour l'instant, qui n'est pas forcément payant. Ah non. Pour le moment, non. En tout cas, le Summer, ça a mis trop de temps à se mettre en place. On a eu des problèmes avec voilà, ce double kill. Bam, bam. Alors, Quid, il l'a fait exprès ou pas? Ah, après, je suis d'avis qu'il y a un ulti qui devait partir sur Vlad, et genre il a bougé. Parce que t'avais pas vraiment la visée sur Lulu là, c'est genre. Je pense que l'ultimate, à mon avis, il s'attendait à toucher Vlad et les autres joueurs derrière en fait, pour mettre des dégâts. Bon, Vlad décale, du coup il peut mettre l'auto-attaque, mais bon, l'action reste belle, et juste pour ça, bah, on peut féliciter le joueur. La Rokatada ouais. qui va continuer donc avec le second BO Fnatic Giants. Et là, vraiment, est-ce qu'on peut vraiment dire que Fnatic versus Giants, c'est un match serré? Parce que moi, je regardais la line-up, justement, quand il y avait la petite présentation. T'as du Soaz, t'as du Broxa, t'as quand même du Caps, ouais. T'as Reckless, t'as Jessies. C'est vrai que du côté des Giants, c'est un peu plus délicat, mine de rien. Il y a Memento qui a montré des belles choses. Knight qui peut faire de bonnes games, on va dire ça comme ça. Ça arrive. Et bon, par contre, c'est vrai qu'il y a toujours le problème de la duel lane chez les Giants, qui est quand même assez faible, notamment EQ, qui a un petit peu de mal à... Il a fait deux bonnes games sur Caitlyn EQ. Mais tout est possible, Twix, parce que quand tu penses... Pour moi, un des meilleurs exemples de line-up bien fourni, mais qui a connu des déboires monstrueux, c'est CG Intuit, ça l'année passée. Oui. Ils avaient Haru, qui est genre le meilleur jungler de LCK actuellement. Ils avaient Mad Life. Ils avaient BDD qui était reconnu comme un énorme talent. Ils avaient Kramer, qui est actuellement chez l'Africa Freaks. Et les mecs n'ont jamais rien fait. Donc parfois, quand la mayonnaise ne prend pas, elle ne prend pas.
Et peut-être que Fnatic a pu faire... En fait, Fnatic a pu faire illusion pour moi tout au long du split parce qu'ils n'étaient jamais menacés dans leur groupe. Mais maintenant qu'une véritable menace se présente, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, en fait, tout simplement. Et moi, ce n'est pas pour me déplaire. Et j'aurais aimé que Vitality se retrouve dans cette situation. Ouais. Aussi, ils se font bouger un peu pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Parce que c'est trop simple avec le système actuel de... De sécu. Ouais, effectivement. Et là, pour Fnatic, c'est plus sécu avec cette remontée incroyable des Rocket. Donc maintenant, wait and see. Mais j'espère qu'ils vont se bouger. Ouais, ce sera le second BO. On va voir effectivement ce que ça va donner. Après, Fnatic a toujours... historiquement eu le moyen de step up là où il le fallait, surtout avec des joueurs de gros calibre tels que Soaz et Reckless. Ça s'est toujours passé comme ça, ce serait vraiment très étonnant d'avoir une exception. Et ça se fend la gueule, hein, côté H2K. Qu'est-ce qu'on va leur mettre? Ouais, je pense qu'ils sont quand même assez tranquilles, mine de rien, les H2K. Pas trop de pression pour eux. Même si je pense que bon, sécuriser une victoire, même si c'est vrai que Le scénario dans lequel les HPK passent devant les Unicorn of Love est quand même assez peu probable. Je crois que mathématiquement, il est possible. Il peut exister s'ils gagnent leurs trois prochains BO. Ils en ont deux la semaine prochaine, c'est ça? Ils en ont deux la semaine prochaine, un contre Splice, un contre Orihen. Techniquement, mathématiquement, c'est faisable. Après, le monde dans lequel ça se passe est quand même très... Enfin, voilà, il faudrait qu'UL perde tout. Perde du coup contre Splice et contre Vitality. Donc voilà, c'est très 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 contre improbable. Splice, ça peut exister contre Vita. Et c'est là justement une petite piécette qu'on peut mettre sur Vitality. Vitality a certes pas la capacité de changer son destin. Par contre, il peut changer le destin des autres. Mais exactement. Donc est-ce que ça vaut le coup justement de step up? On va avoir là, des éléments de réponse. Peuvent-ils être l'emmerdeur? Exactement. Bah, l'emmerdeur du groupe B. C'est ça. C'est toujours ça, hein, la place d'une autre en général, c'est celui qui va le plus souvent faire... Alors là, je ne sais pas si vous avez vu l'image de l'équipe Vitality. Alors, il y a Irian, le coach, il y a Shani qui se tape des barres et tout le reste, genre... Ouais, poker face. Visage fermé et tout. Les deux Coréens qui communiquent entre eux. Les autres n'ont toujours pas appris à parler coréen. Bah, c'est un des problèmes quand même des... Moi, je pense que le problème, c'est effectivement avec Ashani, il ne parle pas coréen. Ashani? Non. Les joueurs parlent pas coréen avec Ashani. Si Ashani parle pas coréen, comprend pourquoi il est en Europe. Ça a posé des problèmes chez Kitty. Ah, on est d'accord. Non, ouais, bah, une équipe qui est vraiment sévèrement split en fait à l'intérieur d'elle-même. C'est un peu ça qu'on a remarqué. Il y a Joko Yakabo, ça on l'a vu à maintes et maintes reprises. Il y a Joko Nuke Duck, même si Nuke Duck n'a pas forcément souvent l'avantage sur sa lane pour avoir une quelconque participation. Mais bon, dans l'ensemble, Vitality, Joko fait pas non plus énormément de choses dans la jungle. Yakabo fait pas grand chose non plus au top. Steelback, il est loin de 1v9 comme l'année passée. Non, on n'a plus vraiment autant de moyens de se différencier, c'est sûr. Après, peut-être des drafts plus audacieuses autour, justement, de Pierre Medjahidi. Pourquoi pas Pierrot. Pierrot, avec Lucian, avec Kalista, avec tous les trucs comme ça qui commencent à revenir. Aussi, qui revient. Avec Kogmo. Ouais, voilà. Pourquoi pas avoir des adécentriques. Mais bon, après, une adécentrique, ça demande quand même une grosse cohésion d'équipe, mine de rien. Parce qu'il faut déjà accepter que ce soit un joueur qui soit mis en avant, que ce joueur-là, ce soit pas toi. Ouais, il faut pas perdre la game en laning phase, quoi. Ouais, c'est voilà. Surtout ça le problème. Il y a quand même des choses à voir et bon, c'est le problème je trouve actuellement de certaines teams européennes, cette espèce de scission qu'il y a entre les joueurs. Tu en parlais, hein, c'est vrai que Cabochard, Joko et Silva qui sont français, qui voilà, ça va être facile pour eux de discuter entre eux d'échanger en français. Et d'ailleurs c'est vrai que pour Ashani ou pour Nuke Duck, on se ressent peut-être un petit peu mis à l'écart, même si Ashani effectivement a quand même l'aide de son coach à ce niveau-là. Et Nuke Duck toujours a une nouvelle saison, une nouvelle performance assez fade au final. Ouais, comme tout Vitality. Et maintenant, Nuke Duck, c'est quand même un des midlaners les plus chevronnés qu'on ait en LCS Europe. Bah ouais, mais cette expérience, on la sent pas vraiment au service de l'équipe. De toute façon, Vitality, moi, j'ai arrêté d'essayer de me projeter sur ce que pouvaient faire les joueurs. C'est un immense gâchis pour moi, au moins sur le Spring Split. Alors j'espère pour eux qu'ils pourront se reprendre au summer, mais c'est vrai que là au spring, à Cabo tu peux te mettre au fond du fauteuil, hein. Là il n'y a plus grand chose à jouer, donc oui. À l'aise. Hein. Tu te fieras, histoire de se faire plaisir. À l'aise. Ah pourquoi pas, allez, voir si on a encore de quoi faire des tank busters. En tout cas les H2K qui n'ont pas forcément envie de laisser les Vitality s'amuser, puisque directement c'est pas du Olaf de Joko quand même. Hein. On passe sur du ciblé. Voilà, on va commencer tranquillement à respecter l'adversaire. Malzahar de ban du côté des Vitality.
Karma aussi, pour l'instant c'est beaucoup beaucoup sur la botlane. Alors est-ce qu'on est justement en train de chercher à avoir une domination du botside contre Nuclear et Chase? C'est pas forcément la duel la plus facile à aller combattre, mais ils sont accessibles. Ouais, ça c'est certain. Après Nuclear, dans une méta où Ezreal commence à revenir en, en puissance, il faut se méfier quand même. C'est un joueur c'est, qui c'est vraiment... marrant qu'il décide de toujours ban Olaf. Pourquoi est-il si menaçant en vrai comme, comme champion? Après peut-être que l'early game va vite après avec Olaf si tu l'as. C'est vrai, mais tu mets Graves en face, il fait quoi Olaf? Bah s'il arrive à le choper du level 1 au 5, c'est ok. C'est-à-dire il claque le ghost, il lui balance les, il lui chaîne les haches et ça passe. Après une fois que t'as passé ce stade là, bah Graves. Compliqué. Viens, viens, viens. Le plus tu es proche de moi, le plus je te la mets. Goûte la chevrotine. Un peu délicat. Graves c'est vraiment actuellement l'un des champions les plus gamebreakers. D'ailleurs ils vont tranquillement refuser de jouer ce pick. Je trouve ça très étonnant de focaliser le Rengar en priorité. Ah, surtout si Yankos puis Graves derrière, Joko il va suer. Hein. C'est exactement ce qui va se passer. D'ailleurs c'est un des match-ups les plus fréquents qu'on voit entre les junglers européens. C'est pour ça, c'est un truc qu'on connaît, puis même dans le monde en fait. On l'a vu ce matin, Haru il a pris un Graves contre le Rengar de Peanut et genre il y a peu de game quoi. Oh là c'est parfait parce que s'ils piquent Ashe et Graves, les H2K, ils vont avoir de quoi éclairer le passing du Graves dans des invades. Ouais, ils ont même pas besoin. À l'autre bout de la map. Et ça c'est vraiment un combo qui fonctionne extrêmement bien en Corée. C'est super bien utilisé pour aller scouter par exemple les camps de Krug quand on jungler invade. C'est vraiment pas mal d'utiliser la Ashe dans ces conditions. On va partir sur une violée alors. C'est assez étrange comme choix de violée de la part des Vitality. Alors super le top gain c'est intéressant hein, face au pick-up des H2K qui s'annonce avec la Ashe. Mais du coup, on a une Duelaine qui est censée dominer avec la Caitlyn, mais le Time Catch n'apporte pas forcément cette force de domination. On va se faire push naturellement par une Lulu et par une Ashe. Donc là, on est dans une espèce de Duelaine qui doit gagner sa laning phase, mais pas vraiment. Qui va avoir quel genre d'aide dans la jungle aussi, puisque Rengar, c'est pas un jungler qui intervient près niveau 6. Ouais. Justement, un jungler qui est censé avoir un cycle de farming optimisé pour le niveau 6. Et puis, pas grave, je suis presque déçu. Il sera ban normalement par Vitality. Bah, du coup, ouais, il ban, ouais, c'est assez. Qu'est-ce qu'il ban derrière? Est-ce qu'il ban un deuxième jungler? Est-ce qu'il ban Lee Sin? De toute façon, Yankos ne peut pas être mis out of draft hein, finalement. Au pire des cas, ça va se terminer en Warwick Lulu et ce sera toujours très très bien. C'est vrai qu'il peut jouer Warwick là, et puis il y a le ban de Kennen là de la part des HUK. On va un petit peu protéger quand même ce petit Lulu sur la top lane. Peut-être ban du Rumble aussi, mine de rien. Ou ban de Lee Sin. Ban de Lee Sin pour Yankos. Il devrait finir par le Graze, je pense, hein, Vitality. Ce serait logique. Ce sera une bonne chose, effectivement, parce que là, en situation de siège entre Ashe, Lulu et Graves, si jamais il y a Tower Dev qui s'organise bot lane, je vois pas tellement ce qu'on peut faire. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est compliqué. C'est la grosse faiblesse de Caitlyn, mine de rien, c'est que quand tu te fais all-in, bah, t'as pas grand-chose pour réagir. Marchez sur les trappes, s'il vous plaît. Voilà, t'as un filet. Voilà. Et il faut bien le positionner, faut que tu puisses te repositionner, plus taper l'adversaire. Cabo, il joue pas Rumble? Cabo normalement à Rumble hein. Tout le monde, tous les top laners sont censés pouvoir jouer Rumble aujourd'hui. C'est quasiment un des meilleurs top du jeu. En plus c'est le favori de Twix. On le sait Twix. C'est le meilleur champion du jeu messieurs. Enfin, c'est pas pour rien qu'on le voit que depuis la S3 en compétition. Un Yordle dans un Gundam, je valide. Exactement. Et bon Graves ban hein, côté Vitality. Ouais. C'était logique, c'était attendu. Est-ce que le pick jungle va intervenir maintenant? Est-ce que c'est vraiment vital d'avoir... Ou est-ce que Yankos attend pour nous sortir son Maître Yi dans la jungle en last pick? Eh, hey, Maître Yi, on rigole pas, c'est fort. Non mais mec, je sais, ça découvre trop Maître Yi. C'est super fort. C'est ultra dur à jouer au final, Maître Yi. En fait, c'est un jeu qui est ultra facile, ultra accessible. Oh. Mais à très bien jouer, c'est assez dur en fait, Maître Yi, mine de rien. Et Yankos qui va partir sur un Kha'Zix du coup. On a choisi Kha'Zix contre Tam Kench. On veut jouer le mini-jeu. Un Kha'Zix contrôle. Ouais. On a envie de jouer la quête de fin de jeu. Le petit mini-jeu entre le Rengar et le Kha'Zix. Les fameuses 4 évolutions qui sont accessibles ici. Mais voilà, un Kha'Zix qui va devoir être joué contrôle avec bien sûr les spikes niveau 11 et compagnie. Parce que le potentiel de all-in face à un Tam Kench, il est très délicat. Après, ça peut faire un petit peu comme ce qu'on a vu en LCK, les combos. C'était Score qui jouait Kha'Zix et Mata qui jouait Lulu. Et on avait des semi-all-in Kha'Zix-Lulu. Où Kha'Zix saute sur une cible, il se fait ulti point blank dès la réception et du coup ça donne à Kha'Zix un CC supplémentaire avec un slow derrière avec la Glitter Lance et c'était super. Wouh, God pour Cabochard du coup. C'est un bon pick contre un Tivus en C'est un très bon pick effectivement.
même all around, hein, c'est quand même un champion très intéressant. Et puis surtout, tu vas avoir le potentiel Joko qui va franchir le mur du son avec l'ulti Rengar plus l'ulti Kled. C'est vrai que pour le il joue Syndra face à un Kench, une Orianna. Bah, ils ont envie. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'empaler tous les picks qui sont dérangés par Tam Kench. Kha'Zix, Ashe, Syndra. Ouais, il y a que la Elise qui, pas... qui a été. Ouais, au final. C'est trop bizarre quand même. Pour moi, c'est pas le mid opti dans la situation. Après, t'as qu'une seule dévoration. T'as qu'une seule dévoration, mais t'as qu'un seul ulti de Syndra aussi. T'as qu'un seul ulti de Syndra. Après, bon, la dévoration, après, t'as si tu la mets sur. Ashe, t'as un ulti. La Ashe, si tu dévores et qu'il y a Kha'Zix qui est toujours là, ça peut le faire aussi. Même Nautilus est très dérangé par, par Tam Kench au final. Avec la grenade ASM qui peut être absorbée. Mais attention, parce que le Tam Kench de Ashani a du sang de crapaud coréen. C'est vrai, on a vu Max notamment ce matin réaliser de très belles choses sur Tam Kench. Attention à ce genre de choses. Après, c'est Max. C'est vrai, il est chaud. Hein. Le support qui a le plus de points MVP en LCK cette saison. Ah, le Foreman Q-Spell de Sion contre Katie Rolster. Ouais. Et le Nashor Steel au hook. Au hook de 13, s'il vous sentence, plaît. Enfin, effectivement. C'est... La peine capitale. Ouais. C'est voilà. Directement sur le Nashor, peine capitale. Voilà. C'est ça. Ça vous passe êtes, 330 de dégâts, boum. Vous êtes accusé de d'avoir ruiné les NA et l'Europe. Nashor prohibé. Voilà, boum boum. Bon, en tout cas, je suis assez satisfait des drafts des deux équipes ici. Les deux équipes ont vraiment de longs éléments. On a le speed push très clairement pour Vitality avec gros potentiel de roam. On a envie de briser le 1-3-1 si jamais 1-3-1 il y a. Avec les instincts de la chasse de Rengar, les traversées des abysses de Ashani. Et de l'autre côté, pour Ishtuke, bah, on est certes un peu moins dans la finesse, mais peut-être dans le meilleur contrôle global. Après, si Ishtuke domine son early, par exemple, mid et bot, et qu'ils arrivent à tempo au niveau de la top lane, le pari peut être réussi. Je pense toujours que Kench est gênant contre pas mal des mécaniques qu'ils ont à leur disposition. Toi, c'est le pick Syndra moi, qui me dérange un petit peu, qui arrive en j'aurais last. J'aurais préféré peut-être un champion moins all-in dans sa façon de poser des dégâts. Ouais, je sais pas. Imagine une Ahri, par exemple, dans la course. Une Ahri contre Orianna, ça aurait été idéal. Ok, là, t'as un bon lightning, t'as une force en fait qui peut pas mettre de la pression. Victor, moi j'aurais adoré Talia. Victor. Ah, Talia, pourquoi pas. Talia pour avoir une autre option, effectivement, notamment de décalage. Le combo flèche-hache, poussée sismique, etc. avec le mur de la tisseuse. Ça a été joué ce matin d'ailleurs. C'est par très les Rock Tigers. Ouais. Mais bon, on se contentera de ce match-up old school mid lane avec deux titulaires du Sword 24 Fantôme. On remercie. On n'a pas eu de talon d'ailleurs, voilà, c'est ça que alors je disais. Du coup, Enyuktok, il joue sans Clint. Bon, là, il a le Tam Kench derrière lui, donc peut-être qu'il peut l'air un peu rassuré, mais... C'est vrai que les flèches de nucléaire ici, elles vont avoir beaucoup, beaucoup d'impact. On va se méfier quand même, effectivement, ouais. Un petit peu de BM. Et puis les stuns aussi de la part de Fedivel. Hein. C'est le petit tips dans le jeu qui dit que Nautilus peut voler dans les airs. Oui, il est comme ça. J'ai toujours marré ce petit tips. On ne saura jamais pourquoi il n'a pas ça dans son kit de sort. Le fait de voler. Ça aurait été pas mal. C'est trop bien des mix de sorts. Genre tu rajoutes des sorts, tu vois. Imagine tu mets le E de Orion Sol sur Nautilus. J'avoue. Et t'as un Nautilus qui traverse la carte. Qui nage. Et s'il arrive, grenade ASM, c'est genre... Genre... Il est l'âge de l'air, en fait. Ouais. Du ciel. C'est trop bien. Il fait pleuvoir la justice. Alors que cette laning phase commence. Entre Fébibi et Nukeduck. Ce serait trop drôle cette fois. Un mode de jeu où tu choisis les 4 sorts de ton jeu. Tu veux prendre n'importe quel sort du jeu. Qu'est-ce que tu ferais moi? Attends. Je prendrais un perso comme Rumble. Je prendrais Rumble, tu vois. Et je lui mettrais un hook de Thresh. Directement. Tu sais le mec, tu le fouettes et tu le tires vers ton lance-flamme. Allez, reviens là. Reste ici. Ce serait assez sympa. Avec un passif genre Zac. Bon, tant qu'à faire. Attention, et le lance-flamme du coup qui met des tics à l'infini. Exactement. Blum, blum, le blum, quadruple blum. Lance-flamme. Rasage de forêt. Tu mets un lance-flamme, tu récupères full life parce que t'as juste les blobs qui pop. C'est vrai qu'il y aurait des trucs assez sympas à faire. Mais je pense que tous les personnages auraient le E de fils quoi qu'il arrive. J'avoue. Parce que bon, à un moment donné, faut être honnête. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le meilleur sort du jeu, mine de rien. Oh ouais, oh complètement. Attention Joko ici qui risque d'être perturbé par un Nautilus sauvage. Oh, est-ce qu'on a un smite? C'est bon, c'est sécurisé quand même par Joko. Il avait pas le smite, hein. Donc là on a vraiment eu les genoux qui tremblaient. Oh clairement, pas de clench.
se perdre un Blue Buff pour un Garengar en début de partie, c'est quand même assez dommage. Dany qui a pas pris le risque d'aller chercher plus loin d'ailleurs. Et t'es full life, il y a peut-être moyen, hein, mine de rien. Ouais, le Rengar qui... les Rengar normalement qui font pas les clear en entier avec sans faire un back à mi-chemin. Bon, en général, ça, on fait une partie jungle puis l'autre. Ouais, on fait red side et après on back et on revient, on fait blue side. Et on continue à roam un petit peu. Jay qui prend la vision sur le côté inférieur de la map. Il n'y a déjà plus grand chose, mais on a la vision sur les golems. Et c'est le seul camp actif pour Joko actuellement. Ouais, ça a été vu par contre de la part de Vitality. On a ping la ward. Incursion peut-être. Alors Joko qui est quand même obligé d'aller chercher ses Krugs là. Il va donner l'information du coup. Il y a encore ce que ça avance. C'est une pick ward très avancée, là, très agressive de la part des H2K. Est-ce que ça ouvre peut-être un gank à venir pour Yanko, c'est toi qui pourra... Que va faire Yanko? Après, on va récupérer cette information, un petit stun, un full trade qui passe pour Febiven. Ouais, ça fait mal ça quand même, ça va forcer une potion supplémentaire pour Nuke Duck. Même si à mon avis sur la bot lane, enfin sur la mid lane pardon, ça risque pas vraiment de bouger. Je vois mal des joueurs vraiment réussir à kill l'adversaire, à moins d'une grosse erreur parce que Febiven ne devrait pas se prendre de shockwave. Oh, le pollen qui révèle Joko. Petite voix, petite ward, on se regarde dans le blanc des yeux. J'ai dit, tu fais le décalage quand même au cas où. C'est vrai qu'à ce moment-là du jeu, ça fait mal à Kha'Zix, il faut se méfier. Ouais, et dans la river, c'est clairement Kha'Zix qui a l'avantage. Mais là, la pink ward qui va être récup, au moins. Ce sera toujours ça de prix. Est-ce qu'il peut la défendre? Tentative de défense. Il s'avance un peu. Il y a quand même déjà deux stacks. C'est seulement de la faire le Febi, mais en plus, ça peut être compliqué. Attention, par contre, Yankos, le jump out. On va prendre le risque. On a failli perdre la vie ici sur ce ball amélioré de Joko. Attention, Yankos qui prend un peu ses aises hein, quand même dans la jungle adverse. Ouais, ici c'est bon, je suis contre un Rengar, c'est facile. Mais attention, c'est un champion qui peut quand même être assez dangereux. Oh là là, Chani, quoi. Oh là là, oh là. Tu t'as fait du dessus, hein. C'est gratuit, voilà. Bah voilà, bah c'est 100 HP gratos, hein, ça. Si tu attaques gratos, Shine n'hésite pas non plus. Hein. Oh là là, mon dieu, quel cauchemar. C'est compliqué. Attention, par contre, l'arrivée de Yankos directement sur la mid lane, sur le Nuke Duck, le flash out, il n'y a plus besoin de mana sur Fibiven. Est-ce que Yankos pourrait se faire punir? Peut-être qu'il manque un stack pour Joko. Très bien joué, belle lecture de jeu hein, de la part de Joko qui a su rester alors que ses loups étaient up. Effectivement, un moment de haute tension sur la mid lane pour Nuke Duck. Mais il y aura quand même deux summoners contre un. Parce que Yankos a cédé le flash. Mais du coup, il va récupérer les Krugs, c'est pas trop mal là, mine c'est de rien. C'est pas trop mal, ouais. Joko qui va récupérer pas mal d'avance en termes d'XP par rapport à son opposant. S'il arrive à les terminer toutefois, parce que ça risque d'être un petit peu long. C'est le problème des crux, c'est le temps en fait qui met à retomber. Ça me rend oui. fou. Quoi. Ça te fait perdre un temps de ouf. Ouais. Il y a peut-être un dive aussi à exploiter juste derrière. Mais voilà, on sait pertinemment qu'il y a quelqu'un ici. Ça a été wardé par Yankos. Alors où est-ce qu'il en est, Joko, du coup, en termes de. Oh là là. Sur le flash in, et on va passer niveau 6 sur Febiven. First blood en solo contre Nuke Duck. Qui a. Alors je disais. Ou Ned. C'était compliqué Ouned. De prendre un kill à moins d'une grosse erreur. Et bah, les erreurs, quel presseur. Pas Nuke Duck. Il avait juste assez de mana pour balancer le déferlement de puissance. Ça a été calculé, ça a été millimétré par Febiven. Pas censé mourir avec une Oriana quand même quoi. Non, typiquement non. Dans genre de situation, pas du tout même, je te dirais. Surtout quand tu viens de remporter un gang juste avant. Bon, les H2K qui déroulent tranquillement, hein, 300 gold d'avance. Récupéré grâce à ce First Blood. En termes de farming, on n'a pas encore une lane vraiment qui commence à faire la différence. Léger retard, donc pour Yankos, on en parlait. Hein. Joko qui est déjà plus passé niveau 6. Ouais, il a pris deux camps de Krug. Oh, Joko, justement, l'agression pas sur Dan et le Bolas qui est touché. Le Kled qui passe au-dessus, mais qui est complètement en avance ici sur le délai. Donc il va falloir que Joko remporte son duel. Pour deny, le flash à Odo amené. Le flash qui est réalisé. Grenade SM, contre-attaque, un autre Bola et le kill récupéré par Vitality. C'était long. C'était long et fastidieux. Cabochard, là, il s'est dit quoi? Je n'ai pas compris. Il attendait peut-être le flash de. Bah, c'est ça, en fait. Mais il a attendu, il l'a pré-shot. Il a vu dans le futur, c'est un Jedi. Ah, c'est vrai. Un peu trop dans le futur, du coup. Dans le turfu, même, on dira, pour Cabochard, là. Mais c'est pas grave, ça lui permet de récupérer un kill pour son jungler. Du coup, Joko, pour l'instant, qui fait un très très bon début de partie. Absolument. Il finit quand même par prendre son niveau 6, surtout à steal ce red buff. Et Joko qui arrivera trop tard malheureusement. Ça va permettre de récupérer 3 buffs oh pour les H2K. Ça c'est du zoning ça. Yankos, il n'y a pas d'opportunité là. Même s'il n'y a plus de flash sur Nuke Duck, je suis pas sûr qu'il puisse vraiment faire la différence.
Il a un raid, il a des Raptors à faire, puisqu'on sait pertinemment que Joko va se diriger vers ce top side, mais le top side est complètement sécu. Instant de la chasse, Bibbon. Wave qui touche. Et Yanko qui arrivera trop tard, malheureusement. On va essayer le trade. Éventuellement sur Joko. Oh, c'est pas trop mal fait le Q. Oh, le shield. Nuke Duck, ce héros. Le héros venu de Suède. Ah, il manquait Kilo Finlande, malheureusement. Pardon. Il a pas pris le risque là, Jankos. Pourtant, il n'y a plus de Shockwave sur Nuke Duck. Oh, il va vouloir venir, hein. Jankos. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a vu? Il y a un jump qui peut partir à n'importe quel moment. Pourquoi tu restes avec 100 HP? Il y a un Ghost ici qui a été lâché. Jankos qui est en difficulté. Jankos qui devrait normalement tomber. Par contre, ouais, il va être puni là. Jankos, il aurait peut-être dû aller se diriger vers la plante. Sustain un peu. Décalage de HNI. Du coup, Nuke Duck qui récupère un kill en plus pour son équipe. 3 kills à 2. Sur des pick-up assez étranges, les HQT qui avaient pourtant l'avantage. Ah, il se la donne. Gameplay assez agressif, et là, normalement, Cabochard qui devrait avoir de quoi exploiter ce match-up top. La contre-attaque est quand même rude, mais il y a une barre de mana là où il n'y en a pas. Ouais, et surtout la barre de vie d'un clan, elle revient assez facilement. Ouais, c'est du reset. Grâce. Alors, on va le revoir. Oh là 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 là. Ce moment. Ce moment plein de douleur. Est-ce qu'il l'a vu ici? Non, il le voit pas. Il le voit là en fait. Ouais. Et là, il y a le jump. Bien entendu. Alors Jankos qui a très très bien joué pour le coup. Ouais. Après, on a quand même pris deux bons Q bien massifs au niveau de Nuke Duck. Et Achani qui décale pour au final récupérer rien du tout. Ouais, effectivement, il était présent. Je crois qu'il peut-être qu'à la rigueur, il a eu l'expérience sur la mort du Kha'Zix. Mais bon, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Jankos n'a pas pu désengager, mine de rien. Il a dû voir Achani arriver. Il s'est dit, bon, ça sert à rien que je continue à courir. Allez, normalement, top lane, c'est du full exploit. On a l'ulti de Kled qui peut être lâché ici pour lâcher un premier CC. Mais ils sont emmenés sous la tourelle. Ils vont y aller. Les dégâts suffisent. Par contre, on a vu le critique de la part de Joko. Là, mais de Jankos peut-être. Les dégâts de la part de Jankos, ce sera le double kill a priori. Oh my god, Jankos qui dévore le duo top jungle des Vitality après un dive, ma foi, très bien opéré. Ouais, je m'attendais à ce qu'ils mettent beaucoup plus de temps à tuer on est d'accord. Le Nautilus. Et en fait, non, il s'est pris deux critiques. Nautilus, il s'est pris en plus le grappin de la part de ce clan qui fait tellement mal au moment où il te ramène vers lui. Avec le critique du, enfin, le quatrième coup du Z, du coup. Mais après, la sanction est très sévère. Alors, on va le revoir. Oh, le set épicier est bon, le jump in, boum, 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 boum. Ouais, ça fait mal. Ouais, ce sont de lourds dégâts. Là, dommage qu'on se soit split quand même chez Vita. Ouais, du coup, on est off le kill alors qu'on aurait peut-être du turn éventuellement. Ouais, si on était resté paqué, il y aurait eu quelque chose à faire. Mais on va dire qu'un Kha'Zix qui arrive dans ce genre de situation, c'est. Bon, bah, c'est GG. Voilà, tu as réussi à avoir deux cibles isolées qui sont relativement fragiles. C'est du two-shot. Ouais, effectivement. Surtout que pour le coup, il est arrivé sous ultimate, donc je suis même pas sûr qu'il ait pu lui passer du coup. Ça pouvait se pré-shot, mais au niveau visibilité, Jankos a bien sûr pris le temps d'être discret et justement encore plus d'informations. Bon, par contre, il y a la Duelaine Vitality là qui est présente. Ouh là là, on n'a pas lancé une pink ward ici dans le pic des golems. D'ailleurs, sur la Duelaine, il s'est quasiment rien passé en fait. Hein. On a farmé simplement tranquillement. Une Caitlyn qui domine pas forcément, il n'arrive pas à push malheureusement Steelback. Ça va quand même créer un gros creux dans le mid-game des Vitality. Et ce sera pas là, il y en a qui va pouvoir remonter le niveau en termes de DPS, donc attention, du côté de Vitality, on a vraiment un gros temps mort là dans leur composition. Sachant que Joko est pas si bien. C'est très bien joué par Cabochard. Ouais, c'est bien vu effectivement, Cabochard qui pourrait éventuellement être le camp le plus rentable, qui est supprimé, la vision offerte sur le top side. Il y avait même un red buff à récup, si on avait la foi. C'est vrai que le Red Buff n'a pas été préparé en cause au final. Il semblait devoir le clear, mais je crois qu'il a, enfin, il a dû le cancel pour aller récupérer ce dive du coup sur la top lane. Joko qui va faire le déplacement. Oh, ça va être vu ça. Ça va être vu. Et il y a même également Chey qui n'est plus en bot lane. Là c'est du 1v2 hein, quand même qui est en train de nous faire nucléaire sur le bot side. Joko qui va essayer de récupérer ce Red Buff du coup en se cachant dans le buisson. On va se trade Red Buff contre Red Buff. Le call a été lancé, on a vu les pings. Jankos et Chey qui vont arriver sur le bot side et. Certainement une sanction qui peut arriver sur la bot lane Vitality si jamais on ne s'y prépare pas. Faire attention, il y a Tam Kiel, donc en termes de décalage, elle peut quand même vite revenir. Mais ça va redive en top lane par contre.
ça va redive. Et cette fois-ci, c'est à 3 que ça va y aller. Nuketuck, Joko et Cabochard. On va travailler pour la botlane peut-être. On a un back de la part de Steelback, donc plus aucune défense. Est-ce que ce sera... On est en avant chez Vita. On a un petit peu plus de DPS sur la tourelle. Mais on a Nuketuck qui a fait demi-tour. Il doit amener peut-être... Est-ce qu'il peut venir défendre un petit peu la tour? Là, il n'y a plus que deux creeps. Ah, on pourra pas la prendre, j'ai l'impression. Le red buff. Ça va être c'est récupéré. Bon. Ce sera le first blood de tour récupéré par les Vitality. Les Stukiers qui sont juste un tout petit peu en retard. Et pendant ce temps, il y a eu un catch, j'ai l'impression. Là. Ouais, il y a eu Flash et Ghost. Flash et Ghost de claquer à Shani qui a fait peur. Ben justement, avec ce voyage abyssal, on en parlait. Le décalage d'Arkhamken qui peut toujours surprendre. Joko qui va se positionner sur la midlane peut-être avec une track. Il y a un super travail de warding hein, quand même chez Vitality je trouve. Effectivement contre. Oh bien, la petite flèche sur Akhani. Sur Akhani effectivement. Hein pas plus loin, il y a on va pas le terminer. Terminez-le messieurs. Il y a encore le Shashin, c'est bon le Q-Spot qui va toucher. Pas suffisamment de dégâts de la part de Steelback. Bah oui forcément tu es une Caitlyn. Il y a ulti Lulu, il y a certainement... Le dragon des montagnes qui est récupérable ici, attention à ne pas céder trop de pression midlane. Après il y a plus beaucoup de cooldown hein, chez les H2K. Ouais. Plus l'utile Lulu, plus l'utile H non plus. Il y a la Shockwave potentiellement, les Vitality qui vont quand même pas aller le chercher. Steelback est coincé bot lane devant une énorme wave suite à la chute de cette T1. On va laisser tranquillement ce dragon des montagnes aller au H2K. Et on reviendra combattre une autre fois lorsque Akhani ne subira pas le combo engage de l'infini. Puis après tout, au final, les conditions de victoire Vitality sont respectées. Cabochard est devant. Cabochard a de quoi maintenir son avantage sur un auto amené qui pour l'instant est quand même dans le doute, il faut l'avouer. Mais là, il va y avoir le retour de Yankos. Si auto amené engage un fight maintenant, il peut éventuellement y avoir intervention du jungler, mais Cabochard ne fera pas l'erreur, bien sûr. Il va repérer tous ses pinkwards, la positionner. On perd beaucoup. Oh, tu n'as pas de Cabochard, le final des visions. Tu n'auras pas les 30 gold. Ouais. On va se récupérer la rive Cabochard peut-être pour essayer de gratter au moins peut-être un peu de ressources. Non. On pourra prendre aucun des petits corbins. Joko sur la rivière botside. Il va récupérer un petit peu cette vision. On a vu la pink ward aussi. La part de Lutex, ça va pas être retiré j'ai l'impression. Pour l'instant on va juste se positionner. Ouais, on met la pression sur le botside, il y a une réponse côté Shtukey. Elle est vue. Avec un peu de vision périphérique, mais le jeu de map control entre ces deux équipes est très efficace. Yankos qui ne fait pas d'erreur au niveau de ses déplacements. Ouais, et vous voyez que la dose de ping pong dans chaque inventaire est quand même assez lourde. Il y en a même deux, hein, du côté de la lune de Chey. Au cas où. Hop là, une chacun. Elle a pas de jaloux. Le shield qui sera mis sur Chey. Du coup, c'est Nucléaire qui prend les points de vie. La trace. La chasse, il est vu. C'est pour Fibiven à 3 en plus. La shockwave qui va toucher. Qui va tuer. Qui va tomber. Ouais, par contre, il y a sur Yankos. C'est compliqué là. C'est un 3v4 au désavantage des H2K. Et Vitality, est-ce qu'on peut forcer quelque chose peut-être l'arrivée de l'année. Ouh, c'est par contre l'année qui peut faire la différence. Éventuellement, si on trouve le. Attention avec Yankos qui arrive. Je pense que c'était pas la bonne cible, Cabochard. Mais en voilà des picks intéressants pour Vitality. On abuse allègrement du combo Clay Drengar. C'est vrai que c'est compliqué d'aller chercher la mine de rien pour s'enfuir, notamment pour Fabiven. Hein. Et dans ces moments-là, on se dit que peut-être qu'il avait pris une Harry. Il aurait moins de problèmes pour le coup. Après, il n'aurait probablement pas pris le First Blood en solo. Sécurisation du push. Ouais, pour rien faire. Il va aider cette tourelle sans aucune difficulté. Et c'est pas trop mal ce que nous offre Vitality pour l'instant. Honnêtement, ça joue plutôt pas mal, hein, je trouve. Gros contrôle de vision, on laisse pas les H2K se balader tranquillement. On arrive à faire du pick-up. Et Joko, au final, avec son Rengar qui a. Je trouve mieux jungler que Koyankos au final. Ouais, il a de l'aide en plus, Joko, chaque fois qu'il fait des actions offensives. Il a beaucoup d'aide. Et on sent qu'ils sont vraiment. On sent qu'ils sont sur la même longueur d'onde avec Cabochard. En tout cas, avec ce pic de Kled qui offre de nouvelles possibilités. Et tellement bien son petit Kled. Ouais, c'est pas mal du tout. Je pense que ça a pas mal surpris en réalité. Oh, il y a un Koss peut-être. On va récupérer la ward là. Deny un petit peu les plantes. Le jeu de vision est incroyable. N'hésite pas, chaque équipe. Je sais pas combien d'argent a été lapidé. Dilapidé, pardon. Dans de la vision. Et tout le monde, honnêtement, a fait l'effort de guerre.
Ouais, et du coup, c'est les potions qui en pâtissent, parce qu'on a tous des potions rechargeables. Du côté des H2K, là, 3 potions rechargeables dans le stuff des H2K. Voilà, c'est 150 gold d'investi pour économiser derrière et pouvoir prendre des wards à la place. Ouais, ça back mass, hein, ça back mass. Donc là, c'est de l'économie à grande échelle qui est effectuée. Où est-ce qu'on en est au niveau des carriadés? On a un petit avantage pour Steel Back, pas très sérieux non plus. Ouais, Nuclear qui existe. Le start de Terre Kerfer sur une hache. J'avoue, c'est un start que j'aime pas beaucoup. Alors attention, par contre, Jean-Claus, ouais, il va devoir sécuriser ses corbins. Il va sortir, pardon, son corbin. Ça va jouer topside maintenant. Smite. Tenter le dive sur Nautilus ou au moins la sécu de la T2. Mais là, il peut y avoir beaucoup de backup. Lulu, H qui ont une bonne trajectoire. Mais Syndra qui est du côté opposé de la map, sans tourelle à contest, sans tourelle sur laquelle on peut mettre la pression. Donc, dans le pire des cas pour Vitality, ce sera un 4v5. Attends, on va la se faire là du côté de H2K, il n'y a aucune réponse. C'est gratos. Febivan qui n'est pas du tout à sa place ici. Febivan, il a fait progresser une vague qui va s'écraser sous une T2. Exactement. C'est bien. Tu vas gratter peut-être son HP à la tour. Félicitations, tu perds une T2 en top lane. La Diolène aussi qui est restée sur place à la mid lane. Surtout que. Et Yankos qui a rejoint la mid lane aussi alors que. Surtout que Speedpush avec une Syndra contre cette composition, mais. C'est genre. Bah tu te prends, ouais, à travers ces abysses, t'es un peu déçu. C'est incroyablement inconscient. Ouais. Le petit man ici qui stack un petit peu. Autant on peut comprendre le move côté Nukeduck et encore parce qu'il y a un Kha'Zix assez sérieux qui est en train de rôder. Mais là, il n'y a pas une ni deux, mais 3 menaces sur le split. Donc Febivan, il va falloir qu'il participe quand même à l'effort de groupe plutôt. Ouais, et pas forcément simplement en lâchant des pink wards. Il y a aussi les positions sur la carte qui peuvent jouer. Là, il y a H2K pour l'instant qui semble un petit peu passif sur un mid game qui est censé être quand même à leur avantage. Pour être tout à fait honnête, je vais la composition. Ah, c'est pas possible qu'il pourra se faire attraper là. Ah, on va pas go du côté de Janko, s'il y avait de quoi faire, je pense. Et là, ça se sécu, c'est un peu le même pattern. Nukeduck qui est sur le split. Et H2K qui en profite pour prendre une tourelle en allant tout droit, tout simplement. Ouais, on va là, la défense, Febivan qui va aller rejoindre le couloir. Et c'est là qu'il y a un truc à exploiter. Avec un ulti Rengar, avec une traversée des abysses. Oh, attention, Joko. Il a le shout. Tout va bien. Est-ce qu'on peut aller peut-être au flash de la part de est-ce que tout va vraiment bien ici? C'est Hachane qui va prendre le tarif complet. La peau épaisse peut-être pour s'en sortir. Oh, il se fait troll par son Joko qui lui a dit reste mourir, espèce de sale crapaud. Il l'a envoyé à l'abattoir. Oh, c'est moche. Après, il était condamné, j'avoue, donc autant mourir avec panache. Ah, il était condamné, il était quand même mort. Il y avait peut-être moyen avec la planche rouge de lui sauver la vie, quoi. Mais là, pour le coup, c'est vraiment aller crève. Avec quelle raclure. Ouais. Et tu sais, c'est genre crève, mais reste loin de moi. Reste loin de moi. T'as ouais. Niqué toute la saison. On te déteste, on va le revoir, le 4, justement. Pourtant, Hachani, le pauvre, hein, il donne tout pour essayer de sauver Joko. Ah, il avait le shot, très bien joué par Joko quand même là-dessus. Parce que c'est un petit peu hardcore. Parce que là, honnêtement, regarde, il a le temps. Honnêtement, il a le temps de rejoindre son jungler pour passer par-dessus le mur. Hein. Avant qu'il en cause le rejoigne. Incroyable. Un petit peu dommage. C'est pas trop grave, mais bon. Ouais, oh de personne, c'est pas trop mal fait sa force. Hein. Il là. C'est une très belle shockwave de la part de Nukeduck. Ah, il a deux idées, il commence à faire mal malgré tout, Nukeduck, avec en plus l'ultimate de Steelback derrière. Pour appuyer. Il s'est fait un stuff ultra def. Avec pas l'ombre d'une pénétration magique. Attention, Yanko ici qui va être surpris. Peut-être. Et il y va. Cabochard, le deuxième dash, ça suffira pas. Il va être un petit peu focus, mais c'est pas très grave. C'est un clad, il va pouvoir les engager tranquillement. Et en plus, il y a la chenille. Super. Il va totalement annuler. Voilà, l'ultimate de Febivan. On en parlait, hein, la présence du Tahm Kench gêne énormément un pick comme Syndra. Il a été avalé au bon moment. Les side lanes, on voit Febivan sur le top side, ce qui fait que cette mid lane est prenable pour Vita. Il n'y a pas de mid laner, il est un petit peu out. Cette wave est normalement la bonne, mais on n'a pas de quoi lock tellement non plus. Hein. Ouais, il y a le flank de Yanko sur le côté, on compte beaucoup sur le dépêche de Nuclear à l'Hurricane. Et le back de Yanko qui va être cancel du coup. C'est encore insuffisant. On n'y arrive pas forcément, on n'a pas forcément beaucoup de... En fait, je trouve ça vraiment étonnant que ce soit les Vitality sur le mid-game qui soient en train de proposer du jeu.
Alors qu'on a Caitlyn et Noriana, quoi. C'est pas forcément les champions qui font plus peur en mid-game. Il y a deux champions qui ont un presser magnifique. Ouais, ça c'est vrai aussi. Qui offre pas mal d'opportunités. C'est vrai que le combo du Kled plus Rengar. Renkled. Ou le Kledgar. Kledgar, c'est beaucoup mieux. Kledgar. Le Kledgar. Ok. Ça fait un petit peu bienvenue dans le Valhalla. Kledgar. Ouais, Midgar, tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté nordique. J'aime bien. Ouais, c'est une des nombreuses régions d'Yggdrasil. Hein. On connaît. Ah, le pollen n'a pas révélé cette word. Arnaque. Faute. Allez, on a les IE maintenant sur Kyriadé. On va pouvoir commencer à faire rentrer Nuclear et Steelback dans la game. Parce qu'apparemment, c'était deux poids morts. C'est vrai que pour l'instant, Nuclear, en termes de flèche de cristal, il s'est montré... assez hésitant, discret. Économe. Économe, ouais. Économe, je pense. Après, il y a tout le temps qu'il y a Tamken face à lui. Ah, c'est le problème, mais après, c'est. Rengar qui peut purge. Ils ont fait le choix de jamais pressure open. C'est vrai qu'ils ont fait ces choix-là volontairement et je trouve qu'ils ne sont pas fait outdraft. Ils ont drafté dans la composition Vitality. Donc, toutes les difficultés qu'ils rencontrent, bah, c'est eux qui ont voulu les face. Ouais, ils sont vraiment sur un choix plus late. Après, jouer le late game contre Lorianna et une Caitlyn, c'est pas forcément la chose la plus simple du monde à mettre en place. Alors, je comprends pas tellement l'intérêt de mettre autant de pression sur la mid lane ici. Bon, on sait évidemment que la pression mid lane est très importante puisqu'il y a le Baron Nashor qui rôde. Mais avec une T1 top qui reste debout, à quel moment est-ce qu'on va se décider de dire bon, on va peut-être devoir la prendre quand même. Ouais, puis pour l'instant, par contre, c'est Cabochard qui se frotte les pattes. Bah, qui est au bon endroit en fait sur la map, surtout. Bah ouais, il récupère énormément de ressources pour l'instant, le Kled. Et c'est Choco qui a fait le plus de dégâts aux champions cette partie. Ouais, il a bossé du Nautilus. Pareil pour Yankos. C'est-à-dire qu'actuellement, avant même le début des teamfights, c'est le jungler qui fait plus de dégâts que les laners sur les champions adverses. Dire à quel point les lanes étaient. Waouh! Wow. Et pourtant, Femiven trouve le first blood hein, sur Newt Gek, mais. Ça n'a pas été plus loin que ça. Il n'y a pas des grosses barres de points de vie mid lane. Donc même si on se chain kill, ça fait 3000 de dégâts max. C'est vrai que ça joue. Il y a un Kossi qui se fait un petit peu poke. On va sécuriser cette ward. Gros gros travail de vision. On va toucher par contre le go in. On a un petit timing de push. Steelback parvient à l'exploiter. Des bolas améliorés. Belle composition pour aller siège. Il y en a Caitlyn pour le siège. C'est quand même pas trop mal. Absolument. Cabochard qui semble pas être capable quand même de prendre vraiment l'ascendant hein, sur Odo Amné. Mais sur un trade à rallonge, par contre, oui. C'est certain que le Nautilus est condamné, mais... On va dire que la défense est toujours réalisable par Odo Amné tant qu'on reste sous la tourelle. Qu'on wave clear un petit peu, mais les ranges ou à portée de remous dans le pire des cas. On ne devrait pas se retrouver dans le scénario où... Ouais, cristal, c'est touché à Chani, c'est pas trop mal, c'est la bonne cible, je pense. Malheureusement, il y avait le flash. C'est le mieux hein, d'aller chercher cet Amkench, puisque c'est le seul qui peut pas se faire... dévoré du coup et Cabochard qui continue de push sur cette bot lane. Odin n'est plus du tout en place. Nuke sur la top, top lane. Side. On a un espèce de 1-3 un petit peu surprenant avec la Orianna en speed push hyper chelou. Et si là Cabochard décide d'engager le team fight alors qu'il n'y a pas Nuke Duck, ce serait terrible. Que font les Vitality. Après, ça fait leur jeu, hein, mine de rien. Eux, le scaling en late game, il leur va parfaitement. C'est vrai que si tu gagnes rien, tu gagnes du farm, d'XP un petit peu. Mais disons qu'on se renvoie les waves à peut-être 20 secondes d'intervalle. Ouais. Mais bon, moi, je pense que ça fait vraiment le jeu des Vitality. Hein. Parce que, ouais, ce que je veux dire, en termes de scaling. En termes de scaling, ils ont l'air plus intéressants, en effet. Voilà. Après, le late game, moi, j'ai toujours peur avec un Kha'Zix. Hein. Le Kha'Zix peut faire peur, effectivement. Mais après, le Kha'Zix doit aller atteindre Tamken. Caitlyn qui commence à faire mal avec beaucoup de dégâts et protéger comme à part le Tamken, comme tu l'as remarqué, effectivement. Et elle va avoir le lifesteal aussi, hein, la soif de sang de guerrier. Attention à ne pas sous-estimer cette maîtrise late game. Ouais. Parce que quand tu penses que tu vas one-shot le Kha'Riadé mais qu'il te lâche un crit à 1002 avec 60% de lifesteal, t'es là. Waouh. C'est ça. Okay. Il récupère puissant HP d'un coup. C'est dans le mode, mais c'est-à-dire que c'est bon burst qui vient de récupérer. On peut espérer que cette maîtrise d'ailleurs peut permettre aux ADC de reprendre un petit peu les poils de la bête. Vitality n'aurait pas Deeping World là actuellement. Oh, bon, faut qu'il y a attention, l'arrivée de Cabochard. Oh, il sera mort avant malheureusement Joko. Cabochard du coup qui va se faire
un petit peu focalisé la fiche de cristal sur Achani. Il y a pas mal de dégâts. Femivel qui est bien positionné. Est-ce qu'il peut se faire kill peut-être par Kamosha? Il fait mal dans la mêlée, Kamosha. Newtok, still back, ça participe pas du tout. C'est une catastrophe. On était complètement split. Le goulot d'étranglement est nettement plus redoutable lorsqu'on a un frontliner massif comme on doit amener. Et aucun moyen pour Vitality de franchir ce mur aquatique. Et maintenant, c'est le Baron Nashor qui va aider sans le moindre problème. On va compenser avec un petit dragon des montagnes et une T1 mid. C'est vraiment le meilleur des scénars qu'on soit capable d'amorcer. Parce que pour les Shtuki, du coup, ça permet de reprendre un petit peu l'avantage sur la carte. Malgré tout, Steelback qui va pouvoir récupérer ce dragon des montagnes. C'est vrai qu'il va être vu par la ward au moment où il va désengage. Oh non, c'est bon. Il y avait le... Ça, c'est le genre de situation où si ça loupe. Ouais, c'est du full blame. Alors on va le revoir justement ce catch sur Joko. C'est dodge. Hein. C'est dodge. Stun, grenade ASM. Ah, c'était loin, un petit peu dommage. Ouais. Et là, Odo Amné qui juste qui bloque tout. Il bloque tout le monde. Ah, c'est du coup, on se précipite jusqu'à Shani en fait. Dévore Kamoshar et repart vers le bas. Il a peut-être mieux fait de repartir à ses carry pour leur permettre d'avoir un peu plus d'espace pour DPS éventuellement. Et Joko qui a pu. Bah, il n'a pas pu taper, malheureusement. Ah, il a pris la totale, hein. Stun Syndra, grenade ASM, route et A+. Et ulti Syndra d'ailleurs, il l'a pris également. Alors que du côté de Nucléaire, on était tranquillement en train de DPS derrière. Aucun problème, bien caché derrière son Nautilus. Du coup, le push et là, on est en retard. On est en retard, c'est la T2 qui tombe. Avec Kabochar sur le split, toujours. Je suis pas sûr qu'ils aient été capables de la défendre. Non, pour le coup, c'est certain. Maintenant, s'ils ne se mettent pas à absorber quand même les waves au rythme qu'elles arrivent, le stacking et Shtuke peut être mis en place et là, c'est terminado. S'il y a une énorme wave à base de deux canons qui arrivent, le wave clear Vitality n'est pas non plus un wave clear de référence. Ouais, mais wave clear à grande distance, mais effectivement, tu vas pas très vite, quoi. Avant que la Keltine ait vraiment beaucoup d'items. Il y a tellement de menaces, finalement, si Shtuke se retrouve devant une tourelle. Entre les grabs, les stuns, le polymorphe, la flèche. Ouais. Il y a également les missiles de Kha'Zix. En fait, le zoning à base de volets plus triple missile de Kha'Zix, c'est juste. C'est vrai qu'il y a un bon poke hein, quand même. Ouais, ça prend toute la lane en fait. Comment tu dodges pour le TP, éventuellement pour aller chercher les HPK, ça peut être intéressant comme move, mais. Alors, je pense qu'on a passé le point de non-retour, hein, mon cher Tech, hein, parce que là, il y a l'ange gardien qui va bientôt arriver sur Odo Amné. Il est déjà présent sur Lyankos. Et déjà présent sur Lyankos. Du coup, ce qui est très très bien là actuellement, 11 200 gold de gagner 6-1-2. Il a plus d'argent que n'importe qui dans l'équipe adverse. Sauf Kabochar qui a lui amassé un sacré pactole sur les creeps. Absolument. Mais Kabochar qui est dépendant de sa condition de maigre Kled qui en teamfight, à part flank les carries éventuellement, va se retrouver full CC et full exhaust. Les deux attaques qui sont pas 30 dégâts. On peut mourir là quand même, Yankos. Oh, Yankos qui prend le kill, il perd son GA mais c'est pas grave. C'est un trade totalement rentable. Mais mon Dieu. C'est très étrange comme phase d'agression. On l'a regardé Yankos et personne n'osait vraiment aller lui frapper dessus. Pourquoi tant d'obstination et surtout pourquoi il y a si peu d'aide? J'ai l'impression qu'on se perd un peu. Ouais, j'ai l'impression que les joueurs ils savent pas trop. Oui, depuis qu'il y a eu ce fight et ce baron, c'est... Ah, on avait l'avantage. Ah, on a perdu la... Ah. Oh non. Ah zut. Ah zut. Oh. Il faut le tuer. Ah, mais j'étais pas là. Attends. Ah, il a 7-1. Ah non, ah zut. Oh, on s'est fait surprendre. Ouais, j'ai l'impression que toute la personnalité s'est anéantie. Oh là là, le 4v5. Kabochar le YOLO 4v5. Et c'est maintenant. Malheureusement, ça touchera. Pas forcément sur la bonne cible. Kabochar qui fait complètement burst. Oh sur 3 personnes, est-ce que ça peut suffire? Non. Rédemption. Pas suffisamment de dégâts. Par contre, le burst de la part de CH2K, Nuke 2 qui tombe. Achani qui est mid live, Shay qui a pour les engage et pendant ce temps c'est Shay, Nucléaire pardon, qui DPS tranquillement. Alors là j'avoue que j'ai pas compris. J'avoue que j'ai pas trop compris le 4v5, le all-in maintenant. Même les H2K sont même pas d'accord entre eux. On les voit ici, ils sont un peu à l'aise. Est-ce qu'on peut attraper quelqu'un peut-être? Achani qui se fait poke, Nucléaire qui continue de DPS sur Kabochar, mais bon c'est pas encore suffisamment en termes de dégâts. Ils peuvent finir. Hein. Les tours là, effectivement. Ils peuvent complètement finir les H2K après une game très contestée par Vitality et un barou d'honneur quand même à lâcher. Kabochar, Nucléaire, Steelback, c'est plus qu'il n'en faut, je pense, pour faire un turn.
Non, Marie engage pas des Shuriken. Attention, la canicule rond. Quand même pas mal de dégâts, du coup, ce qui fait mal. Nucléaire qui va commencer à DPS. Nucléaire qui tombe quand même. Oh non, il n'est pas mort. Si, Yankos, le héros ultime. Yankos qui tombe finalement sous les coups de Nuke Duck. On a eu les resets. La TP du Kled, non? L'ulti du Rengar. La TP du Kled qui peut arriver. Doko, malheureusement, il prend quand même des dégâts. Il est polymorphe. La TP du Kled, il est en train de back Cabochard. Il va lâcher un TP au niveau du Drake, je pense. Non, juste au-dessus. Juste au-dessus, il arrive. Le Kled, il n'a pas d'ultimate. Il arrive tard. Vers l'interception. Il n'y a pas de follow-up de la part des Vitality. C'est il arrive. En place. On va attraper Shake qui va se protéger tranquillement. Fibuel qui va pouvoir désengager. Ah, quoi, il a pris la lance. Il est intombable, il est intombable, Cabochard. La rédemption qui est revenue. Joko ouais, ça suffira pas, malheureusement, pour prendre le. Fébuel par contre, Joko lui a pris beaucoup de dégâts, du coup il ne peut plus vraiment avancer, il a plus de points de vie. Oh non, c'est la chasse puante. Ah, c'était pas beau. Hein. Ah, on peut peut-être mourir sur le gromp hein, quand même là. Ouais, du coup, Fébuel, pourquoi pas. Sur le gromp, hein. Ah, on va le tenter, on va le tenter, on est joueur. Ouais. On est joueur, il est Fabian. On va le revoir alors, c'est engage. Incroyable, je comprends pas le 4v5, j'ai du mal à le process celui-là. Ouais. Il n'y avait vraiment aucun pas espoir. Mauvaise, mais regardez les DPS de Nucléaire. Nucléaire, il est tranquille. Petite auto-attaque au fur et à mesure. Surtout quand tu regardes le. Va sur Shay. Mais Shay, depuis tout à l'heure, il est en train de top tout le monde. Mais ouais, il leur fait venir. Je pense que c'est le pic le plus dangereux en vrai dans Steam Fighting et Shluke. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, il se fait polymorph into mort. Ouais. Directement. C'est vrai que Lulu en Team Fight, c'est vraiment un des pics les plus dangereux. Ah, il a sauté dans un trap, unlucky. C'est fort, hein. Lulu en teamfight, c'est un pick qui est vraiment ultra fort. Tu rends un mec useless. Ouais. C'est hyper costaud. Tu peux annuler du burst en plus. Renforcer le tanking de quelqu'un qui n'a même pas besoin d'acheter des HP, tu lui en donnes. C'est ultra intéressant. T'as très très peu de cooldown. Puis ça, je pense que c'était ruine quand même. Hein. Parce que mine de rien, le Z, alors évidemment, si tu utilises pour polymorph quelqu'un, tu vas pas forcément pour speed up. Ouais. Oh là là, ça est sur Nautilus, est-ce que c'est vraiment le bon choix ici? Dragon des Océans qui est récupéré. On doit amener qui pourrait partir à la re-engage ici. Hein. Il va le chercher, après il n'a pas l'abordage encore. Si le cœur lui en dit, et une flèche. Ça ne touchera pas malheureusement, et l'abordage non plus. C'est Duke pas Nuke Duck. Par contre, attention aux dégâts. De la part de Steelback, il commence à faire mal quand même. Steelback, il a 3 items là. Avec sa Caitlyn. On a un problème de Nautilus. On a un immense problème de Nautilus. Et il l'a trouvé. Touche. Un petit peu étrange derrière le mur. Ils sont excentrés, les Vitality, mais peut-être vont-ils tenter une approche alternative. Non, la boule est posée, la shockwave. Oh, la grenade pour, c'est de la livraison. Pour disengage. Attention, Nuke Duck qui est un petit peu. Oh non, Joko. Oh, c'est terrible. Joko qui s'est pas attrapé, c'est un peu compliqué. Pendant ce temps, c'est Noane qui fait beaucoup de dégâts. La shockwave sur Cabochard, elle essaie de tuer Shay, mais arrêtez de taper cette Lulu. C'est pas elle la menace. Pendant ce temps, Nucléaire peut DPS tranquillement. Yankos qui prend son double kill. On va continuer avec les resets peut-être sur Nuke Duck éventuellement. Voilà le reset qui est trouvé à nouveau. Silva qui essaie de DPS au max. C'est la mort. Il ne trouvera pas le kill sur Fabiven malheureusement. Triple kill pour Nucléaire qui laissait parfaitement tranquille. Tout le monde, ça n'intéresse personne de taper cette hache. On préfère aller frapper. C'est là Lulu qui s'en sort quand même full life. Le TP et Nexus qui va tomber. Vitality qui s'impose, enfin qui s'incline. Pardon. Vitality qui s'incline donc face à H2K. Terme d'une game 1 quand même qui aura été disputée jusqu'à ce que Joko se fasse catch en fait à ce fameux side push mid lane au niveau des Raptors blue side. Et à partir de là, bah, tout s'est effondré, Tech. Tout s'est effondré. On a eu la perte d'unité, la perte de call, la perte de cohésion finalement. Et H2K qui a juste avancé sans jamais avoir finalement de situation dangereuse face à eux. Ouais, la situation la plus dangereuse c'était du 4v5. Bon, on prend. C'est vrai que c'est pas trop. C'est pas trop mal. Et H2K, ils n'ont même pas besoin vraiment de jouer en fait, de se forcer à créer quelque chose. Ouais, on est parti dans des flankings un peu chelous chez Vita avec. On va essayer de go avec le Kled dans la backline, après Rengar et après les.
Petite note d'ailleurs sur les Shockwaves de Nuke Duck qui ont été très bonnes. Oui. Pour le coup, c'est chaque fois en multi-hit. Mais no damage. Ouais, c'est ça, il manque de dégâts quoi. Bah, c'est le problème. Le mieux pour arriver à faire quelque chose, c'est de le mettre avec le Rengar qui lui aussi peut poser ses dégâts en sur la temps. Shockwave. C'est là que ça devient très intéressant, mais ça n'a pas été fait par les Vitality. Après, dans l'ensemble, je trouve quand même qu'ils font une bonne game. Ils sont en tête à un moment. Mais c'est vrai que quand vient le moment finalement de se mesurer au collectif H2K. Et ces synergies contre synergies en teamfight, etc., préparation contre préparation, on sent bien que Vitality fait face quand même à ses propres limites. Et H2K a été meilleur à ce niveau. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'honnêtement, leur lit, etc., c'était pas mal. Même la draft était tout à fait correcte côté Vitality. Mais il a manqué, tout le côté préparation et teamplay, en fait, coordination. Et tu peux pas passer H2K si t'as pas un minimum à ce niveau en fait. Absolument, et H2K qui a pu justement adopter un système où ils jouaient à 4 voire même 5 groupés en plein milieu de la map, parce qu'à partir du moment où ils ont abattu Joko effectivement à ce fameux timing, le break finalement de la game, ils ont fait le Nashor, ils ont pris l'inhibiteur et après ils sont toujours restés en un seul bloc, une seule unité, et c'est vrai que la composition Vitality s'est effondrée à ce moment-là, alors que sur le papier, les sidelines étaient contrôlés, Tam Kench qui pouvait aller aider à gauche, à droite, parce qu'une Syndra, c'est quand même archi gratos, etc., à aller prendre. Ouais, il a un petit peu manqué ses timings, je crois, les traversées des abysses. Il n'y a pas eu le 1-3-1, en fait. Il n'y a pas eu ce timing-là dans la game. Il y a eu une bonne traversée des abysses pour pick-up sur Fabiven, qui n'était pas montrée à l'écran, mais on l'a vu donc, juste après. Donc, ils prennent un pick-up sur Fabiven. Fabiven qui se fait pick-up plusieurs fois, notamment grâce au bon combo Rengar plus Kled. Et après, à chaque fois, il arrivait un poil trop tard, notamment le moment où, comme tu dis, quand Joko se fait attraper au niveau de. Juste au-dessus de ce red buff là. Ouais. Hachani, mais vous voyez, traverser des abysses, au moment où il apparaît, Joko est déjà mort. Trop tard. Ouais. Du coup, tout ce qu'il peut faire, c'est dévorer un Cabochard qui est encore full life pour essayer de disengage. La bonne info, c'est qu'est-ce que faisait Hachani à ce moment-là? C'est vrai qu'il était. Il venait d'où? Il venait de la base, c'est le cas. Okay. Il apporte personne avec lui en plus. Il apporte personne avec lui, donc il était un petit peu alone in the dark. Est-ce qu'on était parti taxer une petite lane bot side ou un peu d'XP ou quelques stacks de Targon? Ou est-ce qu'on était juste en train de back? Ça, c'était la question. Mais en tout cas, s'il y avait Hachani ici, ça aurait changé certainement toute l'issue de la game. Mais après, à la base, s'il n'y avait pas eu de catch, ça aurait tout changé également, bien sûr. Donc une game 1 assez convaincante quand même pour Vitality jusqu'aux 25 premières minutes. Ouais, ils ont montré des belles choses, je suis d'accord. Ils ont montré de belles choses, en tout cas un visage grandissant qui est plein de maturité. On va voir ce que ça donne d'ici à la game 2, mesdames et messieurs, juste après la pause. H2K 1, Vitality 0. Première balle de match pour H2K. À tout de suite sur Gaming.
I thought it's me. But if you're talking about the chef, if you're talking about the chef, then, you know, we have a chef. His name is Frank, and he's insane cook. Like, okay, chicken nuggets that he makes, they are like crisp on the outside and very soft on the inside. And they are like, you know, the previous chef would make them a little bit dry, but those ones are like really soft and not dry at all. Those are like the best chicken nuggets I had. Like, insane chicken nuggets. Like, so good chicken nuggets. Like, you know, chicken nuggets are really easy to make, but it's really hard to make them well. It's like playing solo, you know? You can be gold 3 and you think you're good, but you're actually really bad, right? So like those chicken nuggets that he makes, they're like at least master tier or like diamond 1, you know, in promos or something. Actually, yes, they're so juicy. Je ne connaissais pas ce petit podcast. Les Chicken Nuggets Master Tier. Ouais, apparemment, chez H2K, on mange du poulet. Parce qu'ils ont un chef. Ils sont bien d'accord avec les bibis. Oh, il a ramené des nuggets. Quoi? Oh, mon... Quoi? Mais c'est du gâchis. Quoi? C'est une honte. Il a jeté le nuggets comme si c'était du sel. Et là, c'est le classique premier commentaire Facebook avec 1000 likes. Est-ce que vous pensez à tous ces enfants qui... Ouais. Jérôme Jarre et tout. Ouais, bon, ok, bah ils font ce podcast, mais du coup vous connaissez désormais, vous pourrez aller écouter les histoires de Nuggets, le secret de Yankos. Du coup, Twix, ça fait 1-0 pour H2K justement, ouais, parce qu'on parlait pour d'eux. Pour l'instant, effectivement 1-0 pour H2K, et honnêtement, est-ce que ça aurait pu être mieux comme game pour Vitality? La draft était bonne. La draft était pas mal. La situation, l'early game, le mid game était plutôt bon aussi. Tout s'est effondré assez soudainement, mais... Honnêtement, les Vitality avaient toutes les clés en main. Voilà, exactement. Surtout que les H2K leur ont laissé faire, parce que on a quand même Orianna, Caitlyn, ils arrivent quand même à jouer sur le mid game. Des H2K qui font pas grand chose. Vitality, ouais, peut-être dommage que... erreur de positionnement entre Joko et Ashani. Parce que moi, j'étais pas super convaincu par la draft H2K, et après une équipe qui est infiniment meilleure que son adversaire peut gagner dans à peu près toutes les conditions de draft. Mais pendant un moment j'ai cru que Vitality pourrait faire quelque chose. Après la réalité c'est que c'est un manque cruellement d'imagination et de développement tactique en mid game pour cette équipe Vitality, qui bien souvent se contente trop de rester sur la mid lane et ouais, de lancer une petite shockwave par-ci par-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de setup à 30 ouais, secondes, 45 secondes d'écart avec une certaine wave qui est en train de push. Le contrôle des sidelines était assez basique de la part de Vitality, avec du split au final où on prend une wave, deux waves, et on laisse le reste s'écraser. Et on ne profite pas finalement des moments de push, des moments de pression qui sont créés. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Après tout, on est maintenant en red side, donc peut-être qu'on va voir de bien nouvelles choses. Olaf, Renekton, Gragas, Rengar, Malzahar, avec le last ban qui arrive pour Vitality. Une situation propice au clan. Toujours seul là. Toujours seul. Peut-être toujours une situation propice au clan. Je sais pas tellement. En tout cas, on a le counter pick. Donc autant le donner à un joueur qui peut réaliser le break. Mais là, ça fait quand même 3 bans assez atypiques, je trouve, pour H2K. Genre, on sait très bien que s'il y a un problème, c'est Cabochard, et si tu lui mets 3 bans dans la bouche, c'est tranquille. Ouais. Ah, ils vont faire split Camille. Ouais, donc le Renekton a été retiré, du coup ça se comprend pour H2K. Quelle va être la solution cabochienne? Le nouveau Shogat. Le nouveau Shogat. La hitbox incontrable. C'est vrai qu'on l'a pas vu le nouveau Shogat alors. Non. Honnêtement, le scaling qu'ils ont mis sur son ulti, c'est quand même fou quoi. Tu peux avoir des stacks quasiment à l'infini tant que tu manges des champions. Ouais. Et ton ulti scale sur tes PV max. Donc tu fais des dégâts bruts en fonction de tes PV max qui sont déjà complètement fous. En termes de burst, c'est quand même assez affolant. Le Shogat Berka. Ouais. Quel est ce sourire, Chips? Non, mec, non. Tu peux pas évoquer Qu'est-ce ce genre. Qu'est-ce qui va rôder ce soir en solo queue? Tu peux pas évoquer ce genre de build infâme. Ça peut pas, genre. C'est pas possible, tu vois. Shogat. Shogat Berka. Attends, il y avait bien le Shogat Witsen de... Le monde ne tournerait... Ils faisaient Witsen. Ouais, il y avait eu des Shogat Witsen. Bien sûr. Witsen maillé gelé, exactement. Ça marchait plutôt pas mal, mais après... Voilà, c'était... tu voulais vraiment abuser Witsen, maillé gelé, Riley. Exactement. Parce que le Riley marchait sur les spikes. Ouais. C'était vraiment fort. Mais bon, j'imagine qu'on verra que des picks in-meta de ouf avec la hache pour Steelback et Joko.
Et le Ezreal de Nuclear finalement. Qui vient nous être montré là. Ça pourrait être une game un peu plus mobile du côté des H2K. Joko par contre sur son Graves. Et Graves qui est un champion qui est assez intéressant je trouve contre. Enfin, même si ça change pas tout, mais contre l'ulti de Camille, ta petite smoke bomb peut être très gênante. Elle est pas mal du tout. Effectivement. Lee Sin aussi est un pick viable contre Camille. Parce que elle ulti, tu lui mets un front kick. Exactement, alors il n'y a pas de Gragas, il y a toujours Poppy. Est-ce que Cabo pourrait nous sortir une Poppy? Moi j'avais bien aimé la réponse singed contre Camille. Au moins elle t'ulti et tu la sors de ton... C'est Uni qui avait fait ça. C'était pas mal du tout. C'était ultra drôle. Il avait pris un kill d'ailleurs sur cette mission. Il l'avait Cabo singed. Moi j'y crois pas trop pour le singed. Bah, attendez messieurs, je peux pas vous interrompre, mais Achani joue trash dans cette game. J'aimerais qu'on puisse se poser quelques secondes. Ça veut dire qu'il croit pas, c'est ça? Ça veut dire que j'y crois pas du tout. Très clairement, surtout contre le Ezreal de Nuclear. Il va y avoir du airball au niveau des peines capitales. Mais surtout, pourquoi prendre Thresh ici? Quel est le raisonnement derrière? Pour faire une... pour gêner Camille? Ça ne gêne pas tellement. Le Flay peut peut-être la retirer éventuellement. Ouais, parce qu'en fait, tu peux pas aider un de tes coéquipiers à sortir de la zone via ta lanterne. Bah, c'est ça. Après, effectivement, le flame, enfin, c'est pas comme si le c'est pas une catapulte, était massif, quoi. Ouais, bien en sûr. Fait. Faudrait vraiment que la Camille soit collée. Après, Thresh reste un véritable couteau suisse, hein, pour moi. Donc, Thresh, de mon point de vue, si t'es très bon sur le personnage, ça reste hyper polyvalent. Tu peux faire 10 000 trucs avec. Mais ça, c'est la théorie. Mais tu dépends de tes mates aussi, parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Si tu mets un hook, faut que ça follow. Si tu mets une lanterne, faut que les mecs la prennent. Ou alors qu'ils accélèrent leur rotation, enfin... Tu peux pas être seul, il faut... Un pick comme Thresh, c'est communication avant tout, à mon sens. Et je pense pas que ce soit le terrain sur lequel Vitality se distingue. Et les H2K qui bannent deux picks agressifs. Mais y'a plus rien sur la top lane. Y'a plus rien. Je sais pas du tout ce que Kamosha va jouer. Mais ça va se terminer en Fiora, je pense, y'a pas d'autre solution. Ouais, il reste les deux gros tanks, quoi. Il reste la Fiora. Ou bien ce soit des top. Ou c'est pas faux. Entre guillemets, c'est pas nul. Je pense pas que ce soit nul. Après, si Odo Amné fait une marque du bourreau assez rapidement, je pense qu'il va rapidement être calmé. Le Swain, c'est vrai qu'en soi, Ultimatum X-Tech, t'as l'ulti de Swain dessus, t'as la cage, t'as Béatrice. Why not, quoi. Pourquoi pas. C'est vrai que c'est jamais très agréable de rester dans un espace fermé avec un Swain. En général, c'est pas toujours bien pour la personne qui est collé au Swain. Je vois quand même beaucoup plus la Fiora maintenant, vu le setup, vu que c'est une Syndra mid lane. La Fiora, à mon avis, elle est vraiment pas mal du tout ici. La petite parade peut être très intéressante. La parade avec le cocon, avec le déferlement de puissance. Oh, c'est une game à Fiora. Hein. Imagine une Fiora 3 items. Qui c'est qui la gère là? Moi, personne. Et ce sera un Swain top. Oui. Cabo-chan. Oh. Si mort de Kaiser, c'est vrai que ça règle salement en V1. Ça règle. Zed. Yasuo. Azagi. Echo. Alors qui va où? Bah normalement c'est Echo contre Syndra au mid. Syndra, on est d'accord. Pour faire en sorte de ne pas mourir face à l'ulti de la Syndra. Un contre qu'on a pu voir pas mal de fois déjà cette saison. Et sachant qu'un bon Echo n'est pas tant gêné que ça en phase de lane. Non. Et c'est un champion qui finalement a un wave clear qui est tout à fait correct à partir du moment où ton Q-spell est suffisamment up. Et juste avec un peu d'AP en fait, tu détruis rapidement les sbires caster. Et pour les sbires corps à corps, tu les entames largement. Donc Echo est quand même un champion avec une super tenue de lane. Ça marche très bien contre Syndra. Ta zone de convergence peut super bien marcher contre Syndra étant donné que c'est un champion qui a pas de dash. Bien sûr. Rien que même pour trigger le snow, une fois que t'as proto-belt, t'as le potentiel de all-in sur Syndra qui... T'as le potentiel de la décapiter avec un coup de batte. Hein. C'est assez intéressant aussi dans une situation de speed push contre la Camille en fait. Et ouais. Parce que c'est vrai que Camille peut pas vraiment faire grand chose. Si tu te mets un ultimatum, c'est pas grave. Tu mets ta jaune de convergence sur elle et puis vas-y, reste à mon corps à corps, chiche. Chiche. Et je pense que la durée est à peu près correspondante d'ailleurs. Ouais. Au niveau du stun et au niveau de l'ultimatum X-Tech. Après, j'avoue que je suis quand même un peu frustré parce que j'aurais beaucoup aimé la Fiora. Dans ce match-up là, ça aurait été sympa. Il y avait pas grand chose pour vraiment beaucoup la déranger. Ceci dit, je pense que Swain en early c'est vraiment gênant pour Camille. Ouais. Après, attention, il suffit d'un gank de Yankos et
basta. Ah, mais le 2v2 a vraiment quelque chose d'intéressant côté Vitality. Hein. Déjà, c'est APAD pour les deux. Donc le potentiel de dépop est le même. Ouais, par contre, ils n'ont pas de contrôle facile à placer. C'est ça. Ils ont que la cage du Swain. Là où finalement, le combo Elise plus Camille, ils ont deux CC. Oui. Tu mets stun into stun. Bah voilà, ça, normalement, tu peux pas louper ton enchaînement. Ça, c'est sûr. Après, si le Swain part en roue libre, c'est terminé pour le match-up. Et en plus, ça va pas mal déranger l'itimisation d'Odo Amné. A voir ce que ça peut donner en tout cas pour Vitality. C'est agréable parce qu'on sort un peu des sentiers battus. Et j'aime beaucoup ce pic Echo. Joko ? Ah, il a pas pris de potion, il a pris une pink ward et de la pote. Ouais, Graves peut clear sa jungle sans perdre de points de vie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Oh. Wow ! Achani ! Oh, je regrette tout ce que j'ai pu dire sur toi. Achani, ici, le sens du jeu des Vitality qui ont... Mais ils l'ont vu avant, non, ils ont fait 100% un pari. Je pense que c'est un pari, mais ces balls, elles s'appellent Jupiter et Vénus, quoi. C'est incroyable ce qu'ils viennent de faire. What ? Oui, ils avaient zéro vision. Il a YOLO Flash. Katie Rolster à Shani. C'est lui ? Mais oui, il vient d'arriver ! Attends, ils l'ont vu sortir ou pas, Shani ? Il a été vu, peut-être. Ouais. Non, tu vois pas la fin du bus. Non, tu vois pas la fin. Oh ! Dieu ! Par contre, ça coûte cher en Flash, quand même. Effectivement. Effectivement, ça fait. Il y a peut-être un flash en trop, difficile à dire. Mais c'est un first blood pour la hache de Steelback. Qui revient avec une épée longue. Putain. Ok. Bon, on va voir si ce manque de flash peut peser. Pour Joko, c'est pas forcément un gros problème s'il prend pas de risque. Pour Cabochard, c'est beaucoup plus gênant. Oh oui, beaucoup plus gênant en effet. Parce que là, il y a Camille qui va pouvoir faire des phases de poke. Et n'oublions pas que Camille, elle a pas si peur que ça d'aller trade un Swain au corps à corps. Parce qu'il y a le passif hein, qui tourne. C'est vrai que les gens évoquent le scénario où personne n'était dans ce buisson. T'imagines ? Heureusement. Franchement, ça aurait été épique aussi en un sens. Ça n'est pas arrivé. Je souhaite pas non plus du malheur à Achani et Vitality. Donc... C'est plus stylé que ce soit bien passé, mais j'avoue que si ça avait loupé... Ouh là là, Newton qui cherche le passif ici du Echo. Mais il y a Joko qui est Joko, là, juste derrière. Joko fait Biven forcer au flash ici. Le flash, le ghost, tout a été brûlé. Attention à Yankos à l'interception. Il est niveau 3, lui, Yankos. Donc il a le cocon, il a le rappel, il a tout ce qu'il faut. Non, c'est agressif. Et attention, parce que Joko n'a plus de flash, on le rappelle, donc un cocon de Yankos pourrait faire très mal. Yankos, d'ailleurs, à l'invade. Il n'a pas de buff, Joko. Hein. Il est... Ça, Yankos, il le sait très bien. Oh. Ah, il la pull. Est-ce que c'est discret ? Est-ce qu'ils sont en train de faire deux camps côte à côte ? Yankos qui est en mindfuck total. Alors, très bien. Salut ! Salut ! Mec, salut ! C'est à moi, ça ! Oh là, qui a son smite ? Yankos a le smite, Joko a le smite également. Attention. Oh là, smokescreen, c'est pas mal du coup ce qu'il fait Joko. Il a totalement fumé sur cette phase de jeu. Et il va récupérer le blue buff. C'est assez bien. Yankos, il a perdu un temps. J'ai un doute, mais il a vu qu'il n'y avait pas le groupe ou pas ? Je pense pas. Je pense pas qu'il ait fait même gaffe. Il n'a pas été assez loin pour voir s'il y avait groupe ou pas groupe. En tout cas, il ne me semble pas. On va forcer un back, n'oublions pas que New Duck joue avec TP. Donc le fait d'avoir deux summoners qui tombent fait d'even, c'est un avantage quand même qui est assez grand. Attention, et... Jay, Joko. Ouais, Joko pour l'instant qui commence à s'installer dans la jungle de Jankos. Oh non, pas à gauche. Oh, mon pas il à a gauche, pas de flash, il a pas, pas de flash, Joko. New Duck est là, New Duck est là également. Attention, le cocon qui ne touchera pas. Oh, Joko. Joko, il a pas de flash, on vous le rappelle, il a pas de flash. Oh, mais le red buff, la potion ultime. Le destin est là. Et les dégâts de ce Echo aussi, le passif qui proc et ça tabasse Echo dans ce genre de cas. Oh, ça se joue vraiment à rien. Mais Vitality qui commence très fort ce match 2. 2 kills à 0 pour l'instant, Twix. Un hold-up incroyable. Qu'est-ce que c'était clutch. Bah, ça fait très mal là au H2K. On doit amener au top et dominé pour l'instant par Cabochard. Et au mid. Oh, la convergence, elle est pas oui, mal. Oh oui. Oh dommage. 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 Dommage, mais les trades sont largement en faveur de Nuke Duck. Et
plein d'émotions ce start. Ah ouais, Jankos du coup qui passe derrière. Attention, il est de nouveau. Un niveau 4 avec double buff quand même. Hein. C'est un grève, ce qu'il faut pas prendre à la légère. Joko est presque plus dash offensivement sur le côté hein, pour aller punir la Elise, ça m'aurait pas choqué. Parce que sans cocon, c'est un creep en fait, la Elise, dans ces conditions. Ça. Et il a 7 creeps, Jankos. Oh là là, Katie Rolster Achani pour une ultime peine capitale. Il la lance et il juge le mid laner adverse qui va mourir. Oh, il réclame son kill. Katie Rolster Achani, attention, la cage ici de la part de Kabocha, on doit amener. A quand même le kit d'une Camille à sa disposition. Mais Joko qui maintient sa pression sur Jankos ici. On resserre les taux. Et ça gagne au mid. Au top, on a le soin de Cabochard qui met de la pression. Et Joko en profite. Il remplit son rôle de Graze avec des lanes dominantes. Il invade la jungle. Et là, Elise pour l'instant subit ses props qui font les Vitality. Ah, il est dans son élément de Joko. Il a toute la map qui lui est ouverte. Il risque pas de se faire insta-gib chaque fois qu'il va dans la jungle adverse. Ça doit le changer de la majorité des games Vitality cette saison. Alors jusqu'où va aller cet élan? Est-ce qu'il va y avoir la chute à 20 minutes? Va-t-il y avoir un choc à un moment, Twix? Vont-ils arriver à faire quelque chose de leur mid-game finalement? Parce qu'ils ont trop tendance à jouer à la rame en fait en mid-game Vitality. Ouais, avec un éventuel Achani. Achani, s'il continue son 100% hit rate sur les peines capitales, ça devrait être suffisant. Puis Nuke Duck mettra suffisamment de pression sur les sides. D'ailleurs, hein, il a complété des boosts de mobilité à Achani très tôt dans ce match. Ça affirme ses intentions, je pense. Il compte roam énormément et apporter des kills à son équipe. Ouais, Steelback qui a fait le choix de l'autosuffisance avec premier item BRK qui va être fait sur cette hache. Ça s'annonce plutôt pas mal hein, pour Vitality si on maintient ce genre d'effort. Le First Blood King, en tout cas, qui est jeté aux orties le temps d'une partie. Ouais. Et Jankos. Alors, on se posera quand même la question. Parce que la draft Eshtukay sur le premier match m'a pas transcendé. Et encore une fois, Eshtukay avait l'occasion de pick. Ils avaient totalement l'occasion de pick Graves, on est d'accord? Oui, oui. Et ils l'ont pas fait. Non, ils avaient l'occasion. En fait, ils ont choisi Camille. Ils ont choisi Camille. Comme ils font souvent en blue side, en réalité. Je sais pas si c'est pour préparer les playoffs. Non, mais c'est un choix qui se justifie, Camille. Ça reste un investissement qui peut être très fort, mais quand même, Graves, pour moi, c'est un pick qui est tellement déterminant dans la méta actuelle. Fusil à pompe. Le cric-cric. Voilà, nucléaire. On fait le pari late game hein, pour Eshtukay, apparemment. Effectivement, avec un abatteur et une tire, il a peur de rien. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent sur Ezreal, mais quand même, à chaque fois qu'on le voit, dans une situation qui peut être compliquée, sachant qu'actuellement, Nuke Duck, Cabo, Joko sont bien dans leur match, ça peut être quand même extrêmement risqué hein, de faire ce genre de choix. Et tu sens que Febivan, il est en train de se faire un petit peu bolossé ici. Chaque fois qu'il veut mettre un trade back sur les agressions de Nuke Duck, il loupe. C'est pas de la zone de confort. Et Béatrice qui pose de lourds problèmes à Odoane. Odoane qui va devoir adapter son build aussi. Hein. Tu peux pas partir Triforce en ignorant. Enfin, Triforce Tiamat en ignorant le fait que ton laner, bah, ce soit un mec qui fait énormément de dégâts AP. Il va falloir bosser un item de résistance. Maintenant, lequel ? Est-ce que tu peux te contenter d'un Exdrinker? Est-ce qu'il faudrait plutôt aller chercher un manteau du spectre, visage spirituel? Ouais. C'est difficile, hein, mine de rien. Bonne question. Et. Ouais, bah écoute, on va voir quels vont être les choix, mais c'est vrai que pour l'instant, rien ne semble forcément évident. Oh, et encore du roaming, là, Achani, toujours avec ses boots de mobilité, qui cherche à faire mal à ses Eshtukay et Joko poursuit. Hein. Sur sa lancée, Jankos n'est plus propriétaire de sa propre jungle, même s'il a la vision, mais voilà, il peut seulement assister au spectacle, celui de son red buff ravagé par Joko. Et encore une fois, le travail de vision de Vitality, comme il a été mis en valeur dans la game 1, qui est hyper efficace dans la laning phase, hyper hyper efficace. Tout est sous contrôle sur le bot side. Et là, c'est vrai que Eshtukay, dans une situation de déficit, a du mal à suivre quand même à ce niveau-là. C'est difficile pour eux, hein. Au top, on a. Enfin, en fait, aucun de leurs joueurs n'est vraiment libre
sur la carte. Et Jankos se retrouve un peu seul. Ah, dommage pour les Vitality parce qu'ils n'ont pas vu cette ward. Voilà, maintenant ils la voient. Ok, j'ai eu peur quand même pendant un quart de seconde. C'est un nuke duck qui reviendra à la charge de récupérer cette ward. Et Odo a amené sous la T2 hein, qui se fait deny une wave entière. Complètement. Pour l'instant, Cabo est en train de dominer. Oh, fait Biven. Oh, Biven, ça passe. Ça touche la zone de convergence ici, ça sent bon. Pour Nuke Duck, il pourra aller prendre potentiellement son kill à Shani. Le stun de la part de Jankos, mais tout de suite, une flèche de cristal de Steelback et un Joko qui conclura l'action. Cabo Char, c'est pas terminé. C'est pas du tout terminé pour Femiven. L'instinct. Oh, le flash de Cabo et le kill malgré le déchaînement de puissance de la Syndra. Faut remonter un peu Cabo. Ça a coûté un TP, ça a coûté de la lane pressure top. Mais ça va certainement offrir une première brique au Vitality avec ce triple push mid lane avec Graves Red Buff. C'est vachement bien mené quand même par Vita actuellement. Il joue bien là. Il joue très très bien. Alors maintenant, si on peut maintenir ça pendant les 20 prochaines minutes, histoire de conclure la game en bonne et due forme. Et là, il y a un gros snowball qui se met en place. On est à 4000 gold à 11 minutes quand même. J'ai rarement vu autant d'avantages en début de partie. En tout cas pas en LCS Europe. Ou alors en tout cas pas sans Origen dans la game. Et pas avec Vitality du bon côté. Et exactement. On voit Jankos qui veut participer, mais le roaming bah, Vita est juste faire, bon. Tout ce qu'il peut faire c'est tenter de temporiser, mais les Vitality sont déjà trop nombreux en fait. C'est du 4v2, 4v3 à un moment, et en fait même Cabo se trouve là. Et il peut prendre ce kill avec un flash. Vraiment 100% pour assurer. Hein, pour ouais, un flash discutable, c'est sûr, mais bon. Il aurait pu juste mettre une cage et Béatrice et ce serait terminé. Alors, qu'est-ce qu'il trappe, les Shtukei? Qu'est-ce qu'ils espèrent faire? Cette fameuse trap bush pour contrer le héros de la faille. Bien connu en bien Europe. Bien connu, ouais. Sachant que le héros de la faille est sans doute la chose la moins disputée qu'il y a en Europe. Surtout à 12 minutes. Surtout quand tu perds. Ouais, après, bon, ils ont peut-être dû... Peut-être prédit un déplacement de Joko pour mettre de la vision ou autre. Mais effectivement, être à 3 pour tendre un piège qui est loin d'être sûr de se concrétiser. Tower dive. Quand même compliqué. Avec la Elise, ah non, plus de rappel pour Jankos. Ça peut toujours partir en ultimatum X-Tech. Maintenant qu'on sait que le jungler ne sera pas là pour rejoindre la bataille. Et on a mis fin à la laning phase, hein, côté Vita, le 1-3 est déjà mis en place. Puisque, et d'ailleurs sur le timing parfait, hein, puisque Nuke Duck a sa proto-belt, et il a, pour fêter sa proto-belt, une lane à lui tout seul. Bah écoute, ouais, là ça commence à être le moment où Echo, en fait, plus personne ne peut lui échapper. Même pour Camille, je pense que ça peut être difficile. Et la proto-belt, c'est vraiment le... Oh là là! Il va tellement vite! Ouais, Shani qui bouge super rapidement. Et la proto-belt, c'est vraiment le petit supplément qui te permet de réussir un peu plus souvent à mettre des stuns avec ta zone de convergence. Ouais. Si tu anticipes bien le déplacement adverse, tu dashes, tu mets ta proto-belt, tu arrives à distance de dash, clac, tu fais proc. C'est l'enchaînement parfait que tu veux réussir à accomplir avec un écho. Ouais, c'est le petit punch de dégâts qui fait la différence entre 1% et kill. Ouais. Également. Et là, j'ai comme l'impression qu'on a envie de valider hein, ce bot side. Voilà, Yanko, ça veut de faiblesse monumentale ici. Et il lance déjà le 1-3, hein, les Vitality. Ouais. Très bon choix, je pense, de leur part. Effectivement, le fait d'avoir libéré la T1 mid, ça change à peu près tout. Et Nuke Duck qui se balade. Et ce qui est bien avec Echo, c'est que Split Push, tu te sens tellement en sécurité avec ton ulti. C'est free. Et pour encore, tuer un Echo en split, il faut vraiment mettre beaucoup de ressources, en fait. On n'a pas ce qu'il faut, en théorie. Et là, c'est la pression sur le top side. Petite lanterne pour Steelback. Oh là là, il lui force le flash. Katie Rolster à Chani. Odo Amné qui est ballotté, viré, dégagé de sa lane. Et ce sera une nouvelle tourelle, je pense, pour Vitality très bientôt. Ouais. Et Nuke Duck, il a de quoi défendre ici, sauf que si on prend un très mauvais stun comme oh là, ça. Attends, il a mis quand même d'énormes dégâts. Le heal ici et l'ulti la part de Nuke oh Duck. La chrono fracture qui lui permet de s'en tirer, de tenir tranquillement. Attention, on invade. Oh là là, Shani, ça va être compliqué. Il grave sur Faye Beaven. Ouais.
il accepte sa mort. Il a tenté à Shani, mais effectivement, il va falloir se résigner là. Et le premier kill des 2K. Twix, on ouvre enfin le compteur là, mais bon, avec 5000 gold de retard quand même. 5000 gold de retard avec un ulti Camille et l'arrivée d'une Syndra. C'était allé jusqu'à combien au match précédent? L'avance des Vitality 3K, je crois. 3-4K, max. Je vois pas plus. Hein. En tout cas, pas autant que à ce moment précis. Parce que là, Vitality sont vraiment dans une super situation, mais attention à ces H2K. Alors, Redouane et Marc Dupont ou pas? Ils étaient très très bien, les Vita. Sauf qu'ils ont choke sur la prise des T2. Et là, c'est la dernière T1 qui va tomber. Et lorsqu'ils arriveront à prendre de la T2 de manière efficace... Alors, est-ce qu'on va avoir le choke? Parce que les T2, c'est quand même une autre paire de manches. Et on va rapidement revenir sur nous, parce qu'on a un problème de décalage de son. Mais ouais, en tout cas, là, on a des Vitality et tout, écoute, qui sont très bons, Twix. Notamment grâce à Ashani, Katie Rolster, Ashani qui descend le first sur les blood, champs de bataille européens. Et on a eu aussi un Joko des grands jours. Bah écoute, c'est vrai avec la chance de son côté aussi. Ce counter jungle a été bien mené de sa part et c'est vrai qu'il a parfaitement puni Yankos. Mais je trouve qu'on le disait déjà sur le premier match, on les trouve un peu en dilettante aujourd'hui, que ce soit au niveau de la draft, la façon de jouer. Les Nuggets n'étaient pas bons aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'y a pas full respect envers Vitality. Après, c'est vrai que Vitality n'est pas vraiment un adversaire qui fait peur, mais... qui reste respectable. Attention, H2K quand même. Parce que c'est pas une bonne façon de préparer les matchs, en fait, de façon générale. C'est vrai que UOL a une autre approche quand même cette fin de saison. La fessée générale. Oui, ouais, les UOL, eux... Et c'est clairement leur adversaire le plus dangereux. Après... ouais, non. Les playoffs normalement devraient bien se passer pour la phase de quart de finale, mais ça reste quand même dur hein, pour H2K. Il faut délivrer un message. Après, peut-être que c'est peut-être une retenue finalement de fin de saison. Maintenant que le classement est à peu près sécure pour tout le monde. Ouais, Vitality. On tente une invade là, mais à deux. Encore une fois, on fait pas d'action en solo. On est du côté du solo laner qui est hyper avancé en speed. Par contre, encore un grab ici. De la part d'Ashani, ça va être le kill sur Yankos de la part de Vitality et pour Joko notamment. Et au top, on a eu un déplacement de la Syndra de Febiven, mais ça n'a rien donné. Rien donné du tout au niveau de ce déplacement. On a le Morello, on a envie d'aider Camille à prendre le pas sur ce match-up, mais là il y a un trop gros trou bot lane et le retard de déplacement de Febiven va coûter une T2. Même s'il avait été présent, cela dit, je pense que ça il n'aurait pas, pas pu défendre. Chose, hein. Vitality est vraiment trop en avance. Ashani est trop bon sur ses hooks. Hein. Je suis désolé, mais ce mec est un scandale. Ils ont 7000 gold d'avance, la Vitality. Qu'est-ce qui se passe? Le Baron Nashor. Est-ce qu'ils ont vu un coach mental? L'histoire des Rocats, la Rocat, ouais. La Rocatienne. Ce hook est assez ouf parce que Yanko savait pas misplay en soi parce qu'il a mis un cocon et il est passé en format Arcane pour faire pop ses Spiderlings. Sauf que les Spiderlings mettent du temps évidemment à apparaître. Ouais. Et il était déjà trop tard, dragon des océans. Pas de mountain, pas d'infernal. Pour aller plus loin dans le snowball. Mais ils sont déjà dans un. Ouais, ils sont déjà dans un contexte très confortable. Une fois que Kabocha aura son Zonia, je pense qu'il n'y aura que très très peu de solutions à la portée des Shtuke. Effectivement, c'est possible. Après, on attend toujours de voir si Odo Amné peut prendre le 1v1. Mais comme tu as dit, sans Marc Dubourreau, bah non. Ça va être difficile quand même d'empêcher Cabo de tenir le match-up. C'est pas possible. Puis bon, il a quasiment 46 d'avance, Cabo. Finalement, Yankos était tellement martyrisé qu'il a jamais pu venir au top. On aime bien comment ils vont vouloir rattraper ça, H2K. La seule personne qui n'est pas été touchée, qui est plutôt en très bonne forme, c'est Nuclear. Et TechTech nous a vanté les qualités, bien sûr, du Ezreal de Scary AD. Mais quand même, c'est un Ezreal contre le monde. Contre tout l'univers même, hein, je pense. Là, il y a un Swain à gérer, il y a un Graves, il faut rester loin. Il y a un Echo qui va être hyper chiant. Et il y a Ashani qui peut aussi... Moi, je crois à la Mad Life. Tu vois. Là, clairement, je crois à la Mad Life. C'est possible, c'est réalisable. Ouais, il y a moyen, écoute, vu les hooks qu'il sort depuis tout à l'heure, pourquoi pas un Ashani déchaîné qui
qui apporte la victoire au Vitality dans ce match. Et voilà, Lich Bane. Qui amènerait un match 3 peut-être. Un match 3 dont l'issue serait incertaine. Bah, honnêtement, je demanderais. Enfin, j'attendrais des showcase si jamais il y a victoire Vitality ici, ce qui est quand même hautement probable vu les circonstances. J'attendrais vraiment des showcase, un réveil, parce que pour l'instant, ce BO, ils l'ont fait en dilettante totale, comme je disais. Un message fort, une perfect game, quelque chose du genre. Quelque chose qui rappelle finalement que showcase, c'est une des trois meilleures équipes du ladder européen. Et showcase, bien sûr. Et on fait la transition là entre les solo, enfin entre les speed pushers. C'est Cabo maintenant qui prend le bot. Dire qu'Echo c'est un peu plus efficace pour prendre les tours lorsque ça y est confronté. Surtout avec Lich Bane là. Lich Bane, le dash. Il en fait ce qu'il veut. Hein. Et surtout c'est safe. Il y a Graves qui peut join. Et Febiven. Febiven qui se fait. Voilà. Il se fait un petit. La pression qui est mise sur le side pour Achani. On tente des hooks un petit peu partout. Ce duel, qu'est-ce qu'il donne ici pour Odo amener comme l'impression que ça se passe pas comme prévu. La marque du bourreau changerait vraiment la donne. Hein. Honnêtement, quand je vois ça... Ça coûte pas cher en plus. Hein. Ça coûte pas cher, on est d'accord. Et plutôt que de prendre de la résistance magique, Odo Amné devrait faire en sorte que son adversaire ne puisse plus sustain. La confiance dans le all-in. De toute façon, il faut rarement y aller à demi-mesure dans League of Legends. Alors j'espère qu'il va pas faire un Ex-Drinker, Odo Amné. Ah non, il a fini ses Mercury. Ouais. Parce que bon, Ex-Drinker contre Swain, c'est pas super efficace. Et là, la marque d'El Burrato. Parce que sinon, il va seulement y avoir Nucléar qui va la porter. Il lui faut, parce qu'honnêtement, je demande à revoir un duel entre les deux avec Marc Dubourreau. Ouais, les dégâts d'Odo Amné sont. Maintenant, en fait, Marc Dubourreau ou non, c'est terminado. Enfin, c'est terminé. Là, il y a Zonia. Il y a Blasting Wand, Cabochard. Il est en maîtrise du match-up pendant 10 minutes facilement. Et une fois qu'il y aura peut-être. L'hydre sur Odo, la marque du bourreau avec un peu de sustain. Là, on pourra faire quelque chose de plus sérieux. Peut-être que ça commencera à partir en faveur de Dan, effectivement, ouais. Ce match-up. Mais là, pour les 5 et 10 prochaines minutes max, je pense que ce match-up est à mettre en suspens. Allez, maintenant, c'est le moment, Chips. C'est le moment. Mais c'est le moment. Elle ballonne. Vitality n'a pas réussi à conclure. Donc est-ce que cette fois-ci il va y avoir, en fait je pense que c'est juste une question d'un peu plus d'audace. On leur demande même pas de jouer comme les Rock Tigers des Vitality, juste un tout petit peu plus d'audace dans l'approche d'un baron. Je veux dire, il faut oser bait un peu l'adversaire, il faut oser hook, il faut oser fight. Oh là là, le cocon est loupé, heureusement. Je crois qu'il a failli mourir ici. Ouais. Et la bonne défense qui se met en place pour Eshtuke autour de ce Baron Pit. Mais Eshtuke doit tenir, mais objectivement, ils sont dans une situation qui est assez délicate pour eux. Ils n'ont pas de moyens simples d'aller check ce Baron Ashor. Ils n'ont pas de vrai tank. Ils n'ont pas de Tam Kench. Oh, le hook sur Chey. Chey qui va être condamné très certainement. Il va tomber. Il est lock. Il y a la flèche derrière. Nuke Duck là qui vient contrôler sur Nuclear. Nuclear qui tombe. Nuke Duck enchaîne parfaitement sur Yonkos. Nuke Duck, il ne s'arrête plus. Attention, il a un ulti. Il va ulti finalement. On ne sait jamais, et une lanterne qui va être récupérée. Et voilà, c'est comme ça qu'on approche un Baron Ashor. La flèche a touché Nuclear, je crois. Parce que Eshtuke, comme je disais, ils n'ont aucun moyen safe en blue side là, d'aller check ce Baron Ashor. Non. Ils ont. Bah non, en moyen de scouting, ils n'ont vraiment rien. Il y a quelqu'un qui va pouvoir y... Yonkos. Il y a quelqu'un qui doit y mettre le nez à un moment. Exactement. Ou un et cet angle-là signifie la mort, normalement, pour les Eshtuke. Si Vitality a bien géré son contrôle de la vision. Oh, j'ai comme l'impression qu'on a envie de tenter le Smite Steal de l'infini. Achani qui flash out. La Camille est là, Yonkos n'est pas loin du tout, il ne l'aura pas. Ouais. Ultimatum X-Tech, ça se fait vaporiser. Yonkos est tombé, Odo Amné qui va tenter d'enchaîner sur Steelback. Ici Steelback, lui il est Lieutenant Run, Steelback qui a fini par tomber dans la mêlée, c'est Cabochard. C'est pas Cabochard qui fait vibrer ici les cœurs des fans français. Cela et Joko aussi qui a pris le kill au passage. Bon, ça fait Baron Ashor. Certes, Vitality perd deux joueurs. En téléporte, attention. Chey qui va se prendre une totale. La zone de convergence. Il ne l'a pas vu celle-là. Boum.
Oh, ils arrivent à l'esquiver les Shtukai, mais ça ne sera pas suffisant pour rester en vie. Là-dessus, Nuke Duck qui enchaîne l'esquive et le burst est colossal. Et un chrono break pour revenir au niveau de la T2 et là, finir ici. Vitality qui enchaîne les actions qui font mal. Et Shtukai, pour l'instant, est dépassé. Ils sont complètement submergés, les Shtukai. Tentative de Smash Steel, de Fight Baron, qui n'aura pas été si ridicule que ça, parce qu'on a quand même réussi à valider deux personnes, Steve Back et Adjani. Ouais, mais pour Vitality, la bataille, les Steel Pusher ont le Baron Nashor. Exactement. C'est exactement ce qu'il leur fallait. Adjani qui nous fait un teamfight un peu choqué, mais son travail a été accompli dans cette game. Nuke Duck, couvert de réussite hein, quand même. On a vu le true shot barrage qui était pas loin de l'anéantir. Il y a un dragon là comme vous voyez sur le split screen. Et maintenant en grand. Et Vitality qui damage une last team fight. Avec Abo qui a fait le travail quand même avec la H de Steelback. Alors petit bug sur Nuke Duck hein, parce qu'il a fait un peu plus que 0 de damage. Bah, ça dépend, ils prennent à quel moment le fight. Bah ils prennent le fight à partir du moment où c'est seulement le fight baron. Donc Nuke Duck était sur le baron, il a dash out et après ouais. Il a TP. Ouais. Donc effectivement, dans l'explosion du fight, il a pas fait de dégâts. Mais après, il a quand même été chercher un petit inhibiteur, enfin une tourelle inhibiteur plutôt. Et c'est là, c'est ça qui ne me rassure pas, Chips, là-dessus. Oui. C'est que Vitality, certes, a un Baron Nashor, 1 minute 30 de powerplay, mais toujours pas d'inhib. Ah, il faut aller chercher là, effectivement. On demande de la mobilisation du côté de la structure française pour essayer d'aller pousser ces Shtukai à la faute. Et surtout, il faut les obliger à se retrancher dans leur base. Là, ils n'ont pas le choix. Ils ne sont pas maîtres de la map, et Shtukai. Et Vitality doit se faire respecter. Je pense que nous n'aurons pas de marque du bourreau dans cette game. Hein. Non. Ce qui est assez étrange, parce que sans Ignite... rédemption. Je sais pas comment... Oh, il se retourne et il anéantit le jungler là, adverse. Nuke Duck, le 1v2. Nuke Duck, la rédemption d'un homme. Et Vitality qui ils vont perce aller gagner, la base. Ils vont aller gagner tout simplement à Shani. La wave a été préparée, amenée, accompagnée par Cabochard. Et je pense que c'est fait. Je pense qu'ils l'ont fait honnêtement. Ouais. Deux inhibiteurs down, quelques waves qui arrivent. Le bot side qui est maîtrisé par Nuke Duck qui va pouvoir offrir la dernière tourelle. On a rarement vu une équipe comeback sous 3 inhibiteurs à moins de 30 minutes. Ouais non, puis pas même comme, jamais je pense. Pas comme ils jouent là les Shtukai en fait. On n'a pas la composition, on n'a pas le wave clear, on n'a aucun argument qui pourrait laisser penser ouais. Au comeback. Ouais, du côté de Pro League, il va falloir... Se faire peur. Il va falloir se réveiller un peu pour les drafts. Hein. Il va falloir, je pense aussi, abandonner hein, cette Camille. Moi, c'est 100 fois plus rentable. Ça a coûté... Enfin, first pick, un grave, c'est beaucoup plus important. Combien de bans est-ce que ce pick a coûté? On a ban Kennen, on a ouais. Ban Lee Sin, on a ban Renekton, on a ban Gragas. Puis, Nuke Duck là, très bon stun finalement. Et... Oh là là, Yankos ouais, le pauvre. Yankos, là, qui c'est pour ça, c'est pour ça qu'il s'est fait des pop. C'est dur. Mais parce que mais Steelback oui, parce est que... un dieu. Finalement, Camille, ça demande un certain setup. Enfin, là, il semblerait, en tout cas, du côté des Shtukai, ça demande un certain setup. Et c'est un champion qui a des contres. Graves, non, il y a un contre. Il est au top de la méta. Il n'y a pas de contre. Il n'y a pas de contre. Pour moi, c'est un champion qui est ultime actuellement. Donc, je vois pas pourquoi tu privilégierais une Camille si tu dois à ce point investir des balles. Il esquive la convergence, mais est-ce que ça changera quelque chose? Et il a un Zhonya, attends. Il a ils sont trois sur les regards qui est en train d'arriver là. Les Vitality pourraient cut. C'est Shtukai, la flèche qui est esquivée par Bordeaux, amenée sur un flash. Mais regardez, on rentre lourdement côté Cabochard. Et Vitality doublé pour Joko. Et la victoire de ces Vitality au bout. Ils étaient trois pour essayer de contrôler Nuke Duck. L'un a failli tomber avant même que l'ultime, que la chronofracture soit utilisée. Febiven qui se fait dépecer sous cette tour à Nexus comme à peu près à tous les moments de cette partie. Febiven qui est totalement passé à côté de sa game. Et Vitality qui égalise le score avec une game spectaculaire honnêtement dès la minute 1. Katie Rolster, Achani. Achani. Voilà qui peut donner, voilà, ça distribue un peu d'espoir pour le Summer Split. Prenez Plebe. Elle est tellement bizarre cette équipe.
From Galère versus Giants. Tout victoire. C'est bien, là, ils ont bien joué. On est vraiment entre des H2K qui jouent excessivement bien, effectivement. Non, des Vitality. Oui, pardon, des Vitality. Si tu me dis qu'H2K joue bien, non. T'es viré. T'auras pas de nuggets. Pardon, des Vitality effectivement qui jouent très très bien. Vous parliez notamment de Hachani qui trouve vraiment énormément de grab. On le trollait un petit peu en début de partie, mais finalement il a quand même un trash qui est très performant. En tout cas, là il a été. Ouais. Nudoc aussi avec son écho qui était quand même assez impressionnant dans sa manière de prendre des fights, etc. Donc un très très bon écho. Et à côté des H2K qui ne jouent absolument pas en fait. Ils sont pas présents sur la carte en fait, les H2K. Il refuse tout, il n'y a même pas la moindre, vous l'avez dit, hein, mais le marque du bourreau qui se couche puissant en gold, quoi, genre. Tu la prends et tu gagnes ton match-up, quoi, t'arrêtes de te faire chier dessus par un seul parce que juste il a ouvert ses ailes, quoi. Enfin, ouais. C'est délicat, les H2K ils veulent pas jouer. Nucléaire était ultra passif avec son Ezreal, il trouve jamais le moindre poc. Alors qu'il avait du dégât, au moment où on le voyait, hein, il a mis deux Q-spells sur Joko, il a mis 50% de life. Il y avait moyen de faire des choses, mais non, on fait rien. Non. Il y a eu aussi un steal back, on l'a pas vu parce que c'était assez discret, mais il a enchaîné deux flèches monumentales. Un petit peu aussi parce qu'à chaque fois, il vise l'autre personne. Exactement. Et c'est le pauvre gars qui se le prend derrière. Quoi. Mais ouais, effectivement. L'intention est là. Ouais. L'intention est là. En tout cas, messieurs, ça fait un partout. Alors, je m'attendais pas forcément à cette égalisation Vitality, mais bien, comme quoi, si H2K ne joue pas sérieux en face, ça peut punir. Et honnêtement, Vitality a vraiment été solide sur cette game, donc j'ai hâte de voir ce que va donner la troisième confrontation. Absolument. Entre ces deux équipes. Ce sera après une page de pub sur Gaming. Ne bougez pas, on revient tout de suite après la pub. Et nous sommes de retour pour la suite de CS Europe. Tech, égalisation de Vitality. Ouais, alors Vitality finalement, du jeu. Moi j'avais été assez critique sur le match 1 en disant que Vitality avait peut-être pas la coordination et la synergie suffisante pour passer H2K dans le mid-game. Au moment en fait, c'est critique où tu transformes ton avantage de l'early game en quelque chose de très concret qui peut t'amener vers une victoire. Et en fait... Bon, ils m'ont fait mon tir dans le match 2 concrètement, H2K, les Vitality. Et là maintenant, je commence à me poser la question, peuvent-ils gagner ce BO contre H2K? C'est une question parfaitement légitime parce qu'ils ont conclu cette game contre H2K, mais de la meilleure manière qui soit. Et surtout, ils n'ont jamais fait une game aussi concluante justement, ouais, de la saison. Donc le renouveau Vitality, la fin du Vitality Tilt, la remontada, je ne sais pas tellement comment l'interpréter, mais il y a quand même un facteur... légèreté des H2K qui est assez important et qu'il, ouais, faut mettre en avant, parce que H2K, pas pour rabaisser la performance Vita, mais c'était pas les H2K qu'on a d'habitude. Non, vraiment H2K, tout le monde doit se réveiller, hein. Tout le monde, tous les joueurs et Pro League aussi, c'est quoi ces drafts? On se pose la question vraiment. Bah justement. Ouais, Femiven sur Syndra, honnêtement je suis pas du tout convaincu, j'ai vraiment l'impression que c'est un pick par défaut sur lequel on le met, on sait pas trop quoi faire de Femiven. Un joueur qui a
peut-être perdu son niveau hein, quand même. Enfin, peut-être garanti, hein, parce qu'il a clairement une époque, c'était un mid-laner qui pouvait aller chercher les plus grands. Et là, il a beaucoup, beaucoup de mal à lutter contre Nuke Duck, ce qui est quand même assez représentatif du niveau dans lequel le joueur se trouve. Ouais. Alors on va voir si Vitality peut le faire. Shuke qui continue de battre tranquillement le Olaf, le Rengar. Oh là là, oh là, mais il n'y a plus rien dans la jungle. Il reste quoi, Lee Sin, Elise, retirer les aussi dans l'affaire. Rek'Sai. On va se retrouver avec une jungle abîmée contre Nunu. Alors le Malzahar quand même de ban de la part de Vitality. Camille de ban chez Shuke. Il y a toujours Rumble. Il reste Rumble, il reste Varus. Il reste pas mal de top pierre, de top tir, pardon. On va faire attention. Sauf que les Vitality sont blue side, donc c'est quand même eux qui ont la main. Est-ce alors. Mettre Steelback sur Varus, pourquoi pas. Hein. Non, on va laisser la hache. Du coup, on donne pas la priorité à la jungle. Hein. Finalement, on aura quand même des junglers. Alors, je vais pas dire low tier parce que Elise n'est pas un jungler low tier, c'est un jungler qu'il faut savoir exploiter, qui a des forces, des faiblesses aussi. Ça va se terminer en Elise Lee Sin, hein, je pense, hein, tout ça. À tous les coups. Ou alors une Rek'Sai qui traîne par là. Vu le niveau de jeu de H2K, je les vois pas du tout jouer sur une Elise. Ils ont pas toute cette manière de jouer dans League Game suffisamment agressive en fait. Vitality pourrait peut-être aller le chercher pour mettre des dives et mettre très très bien Kabochar sur la top lane. Ça pourrait être une idée, mine de rien, parce que pour l'instant, Kabochar a quand même fait un bon BO, je trouve. Nucléaire qui va jouer sur une Caitlyn et HPK qui pourrait à nouveau tomber dans leur travers de jouer sur une composition qui n'existe pas en mid-game avec Caitlyn, Orianna. Ouais, ça y aura pas cette priorité pour Caitlyn, est-ce que... Il y aura Lissi Poyanko, je pense. Vous sécurisez maintenant, sinon on le verra jamais. Ou le Yvern. On oublie un Yvern, c'est vrai que en cas de panique, toujours se réfugier derrière les compositions à Dekari. Ouais. Avec une bonne Orianna qui sera sur Febimon cette fois-ci. C'est montré quand même très tôt côté Shukei. Disons que là, en prenant le Yvern, du coup, tu donnes la porte ouverte au Vita de prendre la Lulu immédiatement, histoire d'éviter les catastrophes. Mais là, si Vita ne prend pas Lulu, on fait face à une situation des plus catastrophiques. Ouais, du coup, Joko qui va récupérer le Lee Sin quand même dans la jungle. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit pris par Yankos. Ça va jouer agressif. C'est vrai que là, sans Graves... Le Yvern est quand même assez tranquille dans la jungle, il va pouvoir mettre de la pression. Allez, counter jungle tranquillement, un Lee Sin qui clear pas si rapidement que ça en comparaison de ce qu'il est capable de faire en fait le passif d'un Yvern. Ouais, mais attention parce que le Lee Sin t'attrape, t'es pas bien concrètement. Après, normalement, un bon joueur de Yvern sait se faufiler entre les mailles. Sur la Orianna. Oh, non. Il a été ok en game 1 sur Orianna, les Shockwave étaient. Relativement bonne quand même. Ça manquait juste de puissance au niveau des dégâts. Ouais. Là si Eshtuke prend Lulu, ça peut être terrible, terrible, terrible. Je suis assez d'accord. Lulu va être assez insane parce que du coup il sera tellement buff nucléaire. Et je vois pas pourquoi tu prendrais autre chose que Lulu honnêtement parce que t'as le polymorphe contre Lee Sin, t'as les ultis contre les hard engage. Ah mais arrêtez avec ce pic là. Ok, là j'avoue que... Ah non. Oh, ça suffit. Oh, je m'en vais. Là j'avoue que c'est un facepalm nucléaire hein, qui est en train de se passer. Oh, je m'en vais. je sais pas, j'aimerais bien en tout cas qu'on m'explique pourquoi Lulu n'est pas un bon choix ici en phase de sortie de phase de draft 1. Surtout que finalement. T'es red side quoi, ta mid lane tu peux la prendre quand tu veux, en last pick. C'est une Orianna donc t'as pas de problème de match-up où tu te demandes un petit peu ce qui se passe. Alors à moins qu'il y ait, je sais pas, un marathon Syndra qui est mis en place sur Febiven, j'avoue que moi l'absence de Lulu je la comprends pas. Je comprends pas du tout. J'avoue que je suis... Le trash de Hachani aurait-il fait trop de dégâts? Je suis abasourdi par les drafts et des HPK. Ça avait bien commencé, hein. J'aimais bien le Yvern. Et en termes de ban là pour l'instant, alors on a vu le Renekton pour les HPK, Nautilus de ban du côté des Vitality. Par contre, ça banne pas Lulu côté Vita, je sais pas. Peut-être que les joueurs ont oublié qu'elle existait. Hein. Mais ouais, je sais pas, tu peux pas oublier que ça existe au moment précis où t'as Yvern et Caitlyn de drafté. Je suis d'accord. Genre, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, le trash de ban aussi pour les H2K. Dernier ban Vitality, c'est votre dernière chance de retirer la Lulu. Allez maintenant. Oui, ah oui, elle est génie. Elle est ban les gars cette Lulu et du coup H2K. Alors est-ce qu'on se dirigerait pas
Il n'y a pas de Nautilus. Quel temps qu'on pourrait offrir à... au dos amené sur la top lane, à moins qu'on ait envie de jouer par exemple un... Oh. un Rumble. Déjà, tu commences avec Karma. Ouais, Karma, Karma est sans doute. Non, mais enfin. J'avoue que pour une AD centrique, un double shield est quand même. Mais tu buffes qui avec ton hiverne en fait? Tu buffes qui avec ton hiverne? Et surtout, l'intérêt d'avoir soit le pick Lulu, soit le pick Karma, c'est d'avoir un shield. Et un speed up. Et un speed up, et qui va avoir justement le dernier item support, l'encensoir ardent, qui est sur une Caitlyn en fait, et c'est juste démentiel comme item. C'est même débile, c'est même super débile, parce que tu lui crées du lifesteal, tu lui donnes tout ce, qu'elle, tout ce dont elle pourrait imaginer, elle pourrait avoir envie même. Alors, un Rumble côté Vitality, ça c'est un pick qui va faire plaisir en cas de tank et H2K. Oh. Katie Rollster à Shani. Incroyable, à Shani, peut-être pour le grab à nouveau. Le hard mode déclenché. On va retirer mon trash, c'est pas grave, j'ai d'autres champions qui peuvent grab. Un mec qui sort ça. Contre une Zyra, c'est genre... Bolt of Steel. Ces balls, elles font des éclipses carrément, ouais. C'est terrible. Allez, il a brisé la table sur laquelle il a l'air vachement débonnaire. Katie Rollster à Shani, il est présent, il est là. La saison est terminée, on joue décomplexé. Oh, il a brisé la surface sur laquelle il a posé ses balls là, tellement c'était lourd. Et H2K du coup, la terre est fissurée à Berlin. Alors la réponse pour aller contrer le... Oh, alors il y a Shen effectivement pour ajouter du shield, ça peut être intéressant, mais là il va beaucoup subir contre le Rumble de Camochard. Bah c'est vrai que ça fait du sens d'avoir un deuxième shield pour aider, mais quel dommage de pas avoir un boost de mobilité dans la draft des H2K. Super dommage. Quel dommage. C'était accessible. Surtout mais... que là un pick Karma aurait été mille fois moins dangereux vis-à-vis d'un Blitz par exemple. Ouais. Ça aurait été le choix safe enfin, la le Karma. Blitz, le Blitz était dur à anticiper quand même pour le coup. Après non, là c'est vrai que si les hooks ne passent pas, il va y avoir un sacré... Il va y avoir stomp au bot. Ouais, il va y avoir stomp. Oui. Après il y a un hook qui passe, c'est terminé. Viens ici, non, mais... point chargé, blâme. Ignite. La Zyra se fait soulever par Daron à Shani. Mais la Zyra, il y a quelqu'un qui ou va la se faire Syndra. Quelqu'un va se faire first blood avant le début des lanes ici parce que allez. S'il a eu les balls de mettre le flash in à l'aveugle avec Blitzcrank normalement, ils vont faire un truc, ils vont une tu fais la même 100%. 100%. Et un peu de joie de vivre là côté H2K. C'est vrai que vous vous êtes fait stomp et que vous jouez très mal aujourd'hui, mais c'est vrai que vous n'êtes pas agréable à regarder et qu'effectivement plus personne n'a envie de vous suivre. Enfin quand même les gars quoi, il faut jouer. Ah, t'es bon. Dur quand même, mais j'avoue qu'H2K aujourd'hui joue très mal. Ouais, ils ont mal joué sur leur Liga de première game, ouais. Ils ont réussi à. Non, mais moi je suis d'accord, aujourd'hui c'est dur. Très dur. À remonter sur une espèce d'erreur, Vitality, un petit peu dommage. Bon, on va voir hein, si sur ce match là, cette draft plutôt à décentrique peut avoir du sens, mais encore une fois, sans un speed up, je trouve que tu perds en termes de puissance. C'est vraiment dommage. C'est tellement dommage, je suis d'accord, la Karma était tellement mieux. Autre chose aussi sur la mid lane quoi. Bon après, la Syndra a quand même un burst en mid game que l'équipe a manqué. Mais pourquoi pas avoir un Ryze ou Cassio par exemple qui offre un DPS beaucoup plus régulier sur le mid game ou un Vladimir. Vladimir sur Femme Event ça aurait été quand même intéressant là, dans la composition. Bon. Ce ne sera pas le cas en tout cas, Tech, on est parti dans ce match. Duke Duck qui vient prendre la vision au niveau de la mid lane et pendant ce temps-là, les Vitality se dirigent massivement au bot où on tente une invade. Et H2K le lit bien finalement, ils attendent, enfin ils le lit bien. En tout cas, ils attendent tout ce paquet et très loin. Donc le danger n'est pas vraiment présent pour eux. Ils s'attendent à quelque chose. Hein. Et c'est dommage qu'ils aient pas envoyé un joueur quand même mettre une ward peut-être au niveau du bleu ou autre pour avoir un peu les déplacements de ces Vitality. Ce qui peut permettre derrière de setup des invades en contre, etc. Si tu vois partir les adversaires. Ouais, là on va checker un peu les buissons du côté des vieilles ici pour l'instant. Ouais. Forcément, il n'y a plus personne dans le buisson au bot. Hein. Je crois que. Ouais, je crois qu'effectivement, du côté de Shay, on a compris la leçon. Et du coup, on va aller reprendre ces positions là. Là, Diolene et Vitality qui va quand même être assez dominante. Hein. Caitlyn Zyra, en termes de domination de lane contre un Blitzcrank. Ça va être un petit peu délicat à gérer. J'ai un petit peu peur pour la Diolene des H2K. Et sur le reste de la lane, il y a quand même le Shen qui va subir quand même énormément.
en début de partie contre le Rumble. Alors là, Tech. On est passé derrière sur le fameux build de Shen. Ouais. Avec masque au lit rafraîchissant qui est plutôt pas mal contre Rumble. Ouais. Ça devrait pas l'empêcher, ça va pas l'empêcher de se faire outpush. Mais c'est vrai que ça va lui permettre d'un peu mieux tenir sa lane. Alors, Shen Nucléaire, une mission pour eux, ne pas se prendre de grab. Et les plantes de Zaira peuvent être un très bon atout à ce niveau Tech. Et le counter jungle de Yankos directement là. Bon, ouais, Joko à l'agression. Ça c'est fait. Oh, Nuke Duck, c'est pas ce qu'on va le trouver de la part de Nuke Duck là sur Febivel. Il a mis son cercle au Corbin Yankos. Donc directement, voilà, on allait style le bleu. Mais Joko savait ce qui était en train de se tramer, bien sûr. Et on est parti prendre celui des H2K. Et le gros avantage de Ivern, c'est que pour faire les golems, ça va très très vite, contrairement à tous les autres junglers du jeu. Parce que tu one-shot directement le camp. Après, je crois qu'il donne du coup un peu moins de ressources, parce que tu fais que les deux premiers. T'as pas les petits keep-up, donc faire 40 gold de quoi. Et on scout là du côté de Yankos. Oh, il va tomber sur Joko. Il prend le heal. Attention quand même. Ça va jouer. Ouais, attention, parce que la réactivation du Q-Spell pourrait faire mal. Joko il va chercher le roux. C'est Joko qui va tomber. Oh, V1 face à un Ivern. Ça n'a aucun sens. Blood. Attention à l'échange entre Febiven et Nuke Duck. Pour l'instant, Febiven arrive à positionner beaucoup de dégâts. Les sphères ici qui s'écrasent. Nuke Duck qui revient, qui fait proc son Thunderlord. Et attention à Yankos qui se positionne ici. Il a un flash. Un bon Q-Spell pourrait faire mal. Et on s'arrêtera là finalement. Il va aller counter avec son smite les Corbins. Comment est-ce qu'on a décidé que ça refait un spot par un Ivern ? Situation où c'est lui qui a l'initiative du counter jungle, alors qu'il a en plus trouvé l'onde sonore. Je trouve ça assez étonnant. Il a pas osé mettre les dégâts malheureusement. Mais ouais, il pouvait réactiver, il attendait la fin du shield. Ouais, je pense, ouais. Bah, il aurait dû bourrer dedans, je pense. Hein. Bah, honnêtement, ouais. Avec le passif de Lee Sin, tu peux te permettre d'y aller dans ce genre de cas. Après, il y avait des calages quand même. C'est vrai, mais tant qu'à faire, t'es engagé dans ton fight, donc autant essayer de pousser au bout. Ouais. Il n'y avait pas trop le choix là. Joko du coup qui va essayer de trouver une solution ailleurs. Peut-être sur un grab. Oh, sur Shai justement. Il est passé ce grab. Shai qui va se faire one shot. Coucou à Shani qui passe le bonjour à Shai. Ouais, ça fait deux fois hein, que Shai se prend un grab du coup un petit peu gratuit là. Et en plus il perd son flash là-dessus alors qu'on n'avait pas encore activé le coup résonnant de la part de Joko. Oh, ça va manquer. Ça va manquer. Yanko aussi, c'est juste son petit travail de. Deaver se balade sur la lane. Ça peut gank au top, hein, effectivement, côté H2K, étant donné que le Rumble de Kabochar est censé être en situation de push, mais c'est pas ce qui est en train de se passer. Là, regardez où doit amener pour l'instant. Qui, de la vision. Qui a l'air de push et qui taunt même agressivement. Il est niveau 5 contre niveau 4 pour l'instant. Ouais, il a repris l'avantage du push, effectivement, doit amener. En termes de creep, il est même devant. Ashani. Alors attention, ce roam d'Ashani. Ah, il est là, alors. Parce que. Il y a le flash côté Febiven, il y a le flash côté Odo amené. Ça va pas être facile de trouver un bon hook. Et peut-être qu'il venait en prévision d'un counter jungle de Yankos qui, en soi, était juste à côté, Tech. Ça aurait pu avoir du sens. Mais Ashani, j'ai l'impression qu'il fait, il essaie de faire un maximum de prédictions sur les déplacements de Yankos et des H2K. On l'a vu, ça a très bien marché sur le match 2. Il n'aura pas récupéré cette pink quad, malheureusement. Pourtant, il est passé dessus, il l'a vu. Et oh, attention, la rotation de la part de Vitality. On va toucher l'onde sonore sur le chêne de Odamné. Est-ce qu'on peut vraiment aller le dive actuellement sans les niveaux 6? Ça me semble délicat. Joko qui est juste passé faire coucou. Mais du coup, dans la formation, c'est un petit peu étrange là, ce qu'on a fait comme déplacement. Le jungler Vitality. Il va essayer de sécuriser ses corbins avant de se le faire style. Enfin, plutôt de sécuriser les corbins adverses avant que le leader puisse les récupérer. Je trouve qu'Ivern devrait avoir un sixième sens qui lui apporterait l'information quand un de ses camps l'a marqué. Il est attaqué par l'adversaire. Tu vois, les creeps appellent à l'aide. Ouais. Viens nous libérer, Ivern. S'il te plaît. Ce sera un peu fort, quand même. Ce sera un peu fort. Effectivement, en termes de contrôle de jungle, ce serait insane. T'es là, tu mets les wards partout. Et Kabo vient de récupérer son niveau 6, la tech. Donc, il a. Ah, il essaie de TP. Honnêtement, c'est dommage. Ça aurait été vraiment hyper intéressant qu'il garde son TP, surtout que. La lane était dans un état où il pouvait retrouver la vague de creep au top. Ouais, j'ai l'impression qu'il voulait maintenir la pression en fait sur Odo Amné. Effectivement, mais il perd une vraie option de TP et sachant que
La Zaira, par exemple, est à poil de flash. Ça aurait pu être un kill très facile en cas d'intervention de Cabochard. Je suis assez d'accord avec ça. Nucléaire ici qui va prendre la vision au niveau du tribush. Il faut juste maintenir la vision sur le blitz, en fait. Savoir s'il est présent ou pas. Et pour l'instant, bon, la domination de HPK qui se met quand même en place. On s'y attendait, hein. Zaira qui est clean en termes de range. C'est pas forcément un blitz qui peut faire la différence. Mais on a quand même pu apporter un kill pour son jungler. Joko d'ailleurs là, qui est en train de récupérer son red buff. Il est toujours pas niveau 6 par contre, Joko. Joko qui va le croiser. Oui, là, par contre, ça va être pas la même chose a priori. Le shield, Joko qui va prendre le slow. Ah, il a pas fait le sidestep pour éviter de prendre les dégâts. Attention par contre, le décalage de la part de Cabochard. Ça force tous les summoners de Febiven qui va devoir jouer sous tour du coup. Et Joko qui va donner le blue buff à son mid laner. Le prendre puis donner un résidu. C'est comme ça que ça marche quand même. Joko qui part directement à l'invade, il a compris que ce décalage de Febiven signifiait blue buff. Donc on va récupérer celui de Jankos. Bonne réaction là de la part de Joko. J'aime bien quand c'est instinctif comme ça et que rapidement on utilise une information pour contrer l'adversaire. Ah, du coup il va arriver du côté du top. Alors par contre, ah, il va prendre les Krugs. Est-ce qu'il peut passer niveau 6? D'ailleurs j'ai pas vu l'état de sa barre XP. Ouais, avec les Krugs il va passer niveau 6. Par contre là il va pas l'avoir. Un dive sans kick, ça m'a l'air difficile quand même. Dommage pour Joko. Récupérer les Krugs, ça c'était gratuit. Et puis quoi, peut-être à récupérer, voilà. Ça va être pris. Ça fait deux fois hein, que Joko passe en top lane, j'y tire bonjour, sans que ça ait vraiment un réel impact sur la lane. Alors attention, hein, parce que désormais, sur un grab d'Ashani, on peut avoir un Stan United au dos amené. Oh dommage, Jankos. Il s'est fait troll là, il s'est mis lui-même dans les buissons, du coup bah, il a pas pu. Il a pas pu gap close sur les Krugs, il perd un petit peu de temps, c'est pas non plus catastrophique. Ashani. Oh, le cristal, la peut-être flèche. Sur Febiven. On vise le mid. Plus de summoner hein, sur Febiven. Bon, ça ira pas plus loin. Ah, on l'a tenté côté Vitality. Si ça touche, effectivement, c'est Shockwave, un Thunderlord et un Nuke Duck qui peut sans doute prendre un kill. C'était quoi instantanément une position, on l'a vu, hein. Au moment où la flèche est partie, Fibuel avait déjà commencé à reculer. Et pour l'instant, les Tahiti qui mettent un peu moins de pression dans les games que ce qu'ils avaient l'habitude de faire sur les deux games précédentes. Vu le sondage Riot et les Anglais qui pensent pas exactement la même chose que vous, hein. Je crois que c'est l'opposé. Ouais. Oh, il y a, reste quand même. Attention, Marguerite est sortie avec le chien en combinaison. Ici, c'est pas le mal. Steelback pour être en danger. C'est le chien. Non, c'est... Ça va être difficile pour Steelback. Hein. Le kill ici, très belle exécution côté Shukai. Ça, c'est un décalage propre de la part d'Odo Amné qui utilise son Stan United. Et ça offre une first brick assez Shukai. Cabochard n'avait plus de TP et c'est là où on se dit. Dommage qu'il ait utilisé tout à l'heure pour seulement venir push sous la tour adverse. C'est déjà un TP qui n'a pas beaucoup de sens selon moi. On dit là, il y a Shane qui au final le tient très très bien le match-up. Et du coup, la first brick qui est récupérée pour les H2K. On va récupérer maintenant quasiment 2000 gold d'avance hein, pour l'équipe de Febiven. Et là, on est plutôt bien. La Caitlyn nucléaire qui ping, est-ce qu'il compte? Ah, on doit amener. Alors, on doit amener le dash out. Est-ce que Joko peut être suffisamment de dégâts? Le kick, c'est bien fait. Le flash kick, ça force derrière, le flash. Derrière, est-ce que Joko a une onde résonante là maintenant? Oui, touché, c'est parti. C'est pas trop mal. Il lui manque un tout petit peu de dégâts. Deux auto-attaques. Le long passe. Il se lance. Oh, l'intervention de Shane, c'est terrible. C'est terrible cette intervention, Joko. Il avait pas vu venir. Ça coûte un flash pour Shay et le heal de nucléaire, mais c'est complètement rentable pour CHQK. Du coup, plus de lissine. Oh, c'est dur. Plus de kick. Oh, c'est dur. J'ai vu venir ça. Oh, ça joue pas grand chose. Hein. Il a touché le E du bout du bout. C'est Boots Shen contre pas de Boots lissine. Ouais, forcément. On va le revoir. Le grab de Ashani. Dommage qu'il mette pas le E directement, Ashani. Ouais. Ah, il le met pas non plus là. Ouais. Du coup, effectivement, il loupe une petite rotation de contrôle. Et là, regardez. Pas de boot pour Joko et il met le slow mais voilà. Il cancel une auto non? Je crois qu'il n'avait pas le choix parce que en fait il y a le buisson. Ouais peut-être. Il perd la vision je crois dans le buisson. Ah quoi que non parce qu'il était sous E. Mm-hmm. Ah je sais pas. J'avoue. Il faudrait revoir exactement. Ou alors il perd la range. Effectivement. On est petit quand même à push là. On va revenir à une tour partout. Mais toujours
c'est 1000 gold de différence. Et si on développe vers le mid-game, la tech, Vitality a quand même énormément d'options. Encore une fois, ils ont de quoi punir les picks sans mobilité des H2K. Que ce soit un Rumble, une Orianna, une Ashe, un Blitzcrank, même Lee Sin, en fait, tous les picks Vitality sont très bons pour punir Syndra, Zyra notamment. On va principalement parler de ces deux picks parce que Caitlyn est un champion qu'il est difficile d'atteindre et Jankos va devenir tanky. Il a sa rédemption d'ailleurs, Jankos. Ouais, c'est un bon timing d'ailleurs pour les H2K, la rédemption de Jankos, ça lui permet d'être très agressif. On le voit là actuellement, les H2K qui font une petite intervention directement dans la jungle de ces H2K et le red buff qui devrait donner à Nuclear, faut le prendre. Voilà, ça va être récupéré. Caitlyn sous red buff pour aller poke des tours. C'est ultra intéressant. Les Vitality qui, comme tu disais, ont une force de pick-up intéressante. Après, ils vont manquer un petit peu de dégâts pour l'instant, les Vitality. Pour être tout à fait honnête, d'ailleurs, on a un... Ça dépend en fait si il touche un ulti. L'ulti de Cabochard peut faire tous les dégâts de l'équipe, honnêtement. Ouais, c'est vraiment ça, on est très dépendant du. Oh, sur le rookie, touche au Nuke Duck. Le stun derrière, flash out de Nuke Duck. Ouais, c'était forcé hein, pour le midlaner Vitality là. Vu le nombre de joueurs H2K qu'il y avait derrière, prêt à suivre, ça aurait été inconscient de ne pas flash. Mais par contre, les Vitality vont pouvoir s'installer dans la jungle, les H2K là. Le Ivern remonte, non, il remonte pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la place, c'est H2K, prendre le blue buff. On veut sécuriser sur la vision autour du dragon, on doit amener l'agression. Ouais, c'était un petit peu Wow. Un petit peu aléatoire là de la part de Vitality. C'était éradication de Cabochard. Ça mènera à rien forcément. Allez, il a pas éradiqué grand chose. La vague de creep blue buff. Un peu. Ouais. Et encore même pas, je crois qu'il a touché. Il a touché pas l'entier. Et le blue buff, bon, c'est un Fabibon qui va pouvoir le récupérer. Joku qui continue quand même son travail de pickpocket dans la jungle des H2K. Hein, Lee Sin qui counter jungle à Ivern. On n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Je trouve que c'est une bonne solution contre Ivern d'aller essayer de lui gratter des camps au fur et à mesure en fait. Ouais, il essaye en cosse, hein, à chaque fois petite incursion, etc. Et Joku essaie de suivre, mais effectivement, il semblerait que la balance soit tout de même en faveur du jungler des H2K. Bon, au top, Cabo a donc. Alors, il y a son Landry depuis un moment, donc les boules de pénétration magique, il peut avoir un gros impact en teamfight. Il faudra juste corriger le tir sur les éradications quand même. Un petit peu parce que. Parce qu'à la précédente. Ils en sont très dépendants, les Vitality, des dégâts du Rumble actuellement. En tout cas, Odo Amené, lui, est vraiment sous pression par rapport à Cabo. Il a pas du tout le push, même si maintenant, avec le Tiamat, il va commencer à pouvoir respirer un peu, je pense. Et encore, hein, c'est un petit bouton qui a ce Tiamat, il a pas encore réussi à remettre de la pression. Par contre, l'arrivée de la Caitlyn va changer quand même pas mal de choses. Est-ce qu'on peut dive peut-être sur Cabochard? On a 4 joueurs là, H2K. Shay qui va arriver, faut juste trouver le route. Oh, il a press hold. Cabo ouais. Qui tente de turn, là c'est compliqué. Oh, la choc wave sur 3 joueurs. C'est pas trop mal fait, le grab. En plus sur Yankos, est-ce qu'on peut faire suffisamment Yankos? Yankos va tomber, la flèche de cristal qui touchera pas côté Vitality. Il est vivant. Yankos est pas mort et le taunt derrière de doit amener. Fabivan vient pour conclure l'action, le H2K qui roule sur Vitality, ce n'est sans doute pas fini, Tech. Alors attention, l'ultimate de la partie de Caitlyn sur Joko, ça ne suffira Joko. Pas. Oh, le sidestep de Jankos. C'est bien trouvé, effectivement. Est-ce que Marguerite peut-être pour trouver? Elle envoie avec le shield. Joko doit courir loin, très loin. Peut-il trouver le suicide, Joko? Ou la bonne onde sonore? Alors là, ça sent l'action épique. Ouais, ouais, pas le temps, il récupère quand même 50 gold là-dessus, du coup, Worf. On essaie de le suivre, le route qui passera pas. Mon Dieu, Jankos. Il peut tenir sur le. Oh, le shield, c'est fini pour Joko. Il a tenté. Il aura tenté, c'est Shainiko qui va récupérer ce kill. On a quand même perdu pas mal de temps hein, du côté des H2K pour essayer de chase Solicine. Et du coup, la tour qui n'est pas tombée. C'est un petit peu dommage. Alors, Cabo, bon, on aurait aimé avoir l'éradication là. Hein. C'est vrai que ça manque. Il est ça pas mal. C'est très sympa. Son Juke hold, effectivement. Et cette rédemption qui fait beaucoup de bien aussi, H2K, dans ce fight. Ouais, ça chauffe pas, ça chauffe pas mal, effectivement. Flèche. Elle passe à rien, la flèche de cristal. Fabivan qui arrive derrière, il a plus qu'à pick up les kills. Nucléaire qui met un petit critique. Qui a... Où est-ce qu'il en est d'ailleurs? Il vient de terminer son Hurricane. Et là, Tech, on a des H2K qui ont l'air plutôt maîtres de leur sujet finalement. On arrête de jouer bizarrement, attention. Nuke Duck, Ashani, le taunt de flash. C'est fini pour Nuke Duck. C'est pas trop mal fait, mais ça ne suffira pas malheureusement.
pas suffisamment de dégâts pour pick up sur Shay. Le taunt sur Odo Amné, est-ce que c'est vraiment la meilleure personne à aller chercher? Le teammate sur Joko. Il tanque énormément, Joko pourrait tomber là-dessus, il suffirait d'un petit skill shot qui passe. Cabochet attend également. Cabo, focus ici est totalement contrôlé par la Tyra de Shay. Et désormais, côté H2K, on est parti pour un push au mid-tech. Ashani va peut-être tenter un grab sur Febiven. Pas de grab de la part de Ashani. C'était très bold de la part de Febiven là pour le coup comme move. Heureusement pour lui, ce ne sera pas puni. Et les H2K qui vont aller tranquillement dérouler là dans leur game. Bah, 9 kills hein, pour H2K qui pour l'instant nous font enfin un bon match dans ce BO. On l'a attendu quand même. Hein. Il a fallu qu'il soit forcé à un match 3 pour se réveiller un peu. Ouais, par contre, pour Vitality, ça fonctionne pas. Notamment, Joko est pas du tout en vue. Il n'arrive pas du tout à exécuter ses combos, Joko. Toute l'avance des H2K part vraiment de cette invasion de Joko au niveau 3. Il n'arrive pas du tout à faire la différence. C'est dommage que le combo est intéressant. Hein. On a l'éradication plus un Shockwave qui touche sur Shay. Pas suffisamment de dégâts. Encore une fois, malheureusement pour Steelback, la Future Crystal ne touchera pas. Et ouais, Steelback il a pas les dégâts, lui il suffira pas à sauver le Rumble. Ouais, là, je sais pas, la Vitality c'était approximatif on va dire. Et honnêtement c'est assez dommage parce que dans l'idée ils ont draft quelque chose qui peut vraiment impacter H2K dans ce match. Mais ça fonctionne pas pour l'instant. Ashani, après un ou deux bons grabs, c'est éteint sur son Blitzcrank. Cabo. Ouais, c'est vrai, il a bien push. Le grab sur Shay, ça peut être intéressant avec le plus de cristal derrière. Et ça suffit dans le dégât. Non, il n'y a pas les dégâts. Attention, l'automne derrière. Ashani, attention, la on. Oh, c'est Niven. Cette ulti pour un Blitzcrank à 200 points de vie, est-ce bien sérieux? Il prend un double kill pour le coup, donc c'est pas très grave. Les H2K du coup qui arrivent même à punir maintenant sur les grabs. Et de il Ashani. Passe à 11 kills à un tech. Ouais, on n'a plus besoin maintenant d'appeler le 911. Alors attention, par clair des casques, c'est pas trop mal fait. Est-ce que Shay peut tomber? Peut-être, oui. Cabochard. Sécurisé par Cabochard. Cabochard qui prend le kill, Cabo qui continue à poke. Là sur le side, l'Iron Solari a été lâché, la Shockwave. Shield de Cabochard. Il sera flashed out, la rédemption et le il commence à mettre des dégâts nucléaires, il va falloir le respecter. 3-0-5 pour la Caitlyn H2K. Il va tranquillement aller vers son Nio nucléaire, je pense qu'il a même l'argent pour la faire là. Et donc effectivement, une Caitlyn actuellement, alors c'est pas forcément le plus gros DPS du jeu, mais ça commence à picoter tranquillement quand ça arrive à mettre des headshots critiques. Le Google qui va être récupéré par Febiven. On va revoir ce grab trouvé par Ashani. Et Shay qui tank, il n'y a pas les dégâts malheureusement, pas de follow-up. Silva qui est obligé de flash out, il peut pas DPS. L'ulti niveau 2 d'Odo Amné qui fait complètement le taf en termes de survivabilité. Et là, cette deuxième partie de l'action avec la T2 récupérée, la Shockwave qui flash out, finalement, et Cabo. Ah, Cabo qui flash in, qui croit en ses chances. Mais finalement, H2K dit non. Ouais, mais c'est le problème de jouer contre la rédemption, notamment quand t'as un Rumble. C'est une très très bonne réponse à Rumble, la rédemption. Éradication, on recule, rédemption, c'est bon, on est bon pour retourner fight, il n'y a plus cet item qui dérange tellement. Et du côté des H2K, oh, c'est plus ou moins. Ouais, non, c'est compliqué quand même de mettre des trappes contre un Ivern, puisqu'il y a des buissons pour scouter. Ouais, c'est dur. La range est pas mauvaise en plus. Ça, plus les trappes de la Caitlyn. Oh, le TP, on essaie de forcer la T3 peut-être, on n'est pas du tout en position là par des Vitality, c'est bien Marguerite. Et ils ont Marguerite, les H2K, et pour l'instant ils l'utilisent pas. On va la garder. Ils font quoi Vitality? Alors le Trail Base il passera pas du tout. Hein. Vous avez genre une tour de retard et 30 secondes de retard sur votre rotation. J'irais pas dire que c'est intéressant parce que ce serait mentir. C'est étonnant. C'est étonnant. Intrigant. On va essayer de prendre peut-être la T3, bah non on peut même pas. Hein. Donc on va trade un inhibiteur et T3 contre une T2 top. Non, ce sera un non. On va essayer de trap. Ils tentent le trap là. Oh là là, ils sont vraiment au bout. Ils sont au fond les Vitality, ils tentent n'importe quoi là pour essayer de remonter dans la game. Ils vont pas y croire les Shuker en les voyant. La négation est pas trop mal, par contre, peut-être le kill. Joko, le kill finalement pour Vitality, attends.
On a été peut-être médisant, mais ce trap totalement inattendu, eh bien, les Chouquets ne s'y attendaient pas. Ah, effectivement, du coup, les petits ils vont pouvoir laisser ce Kolnashor finalement, tech. Alors, par contre, on se réunit là du côté des Chouquets. Shay qui a plus beaucoup de points de vie, malheureusement, il va devoir rester très le très Shay loin. Le Shay n'a plus d'ulti. Shay n'a plus de points de vie. Oh, c'est nucléaire. Un petit sur Shay. Nucléaire, petit faire l'exploit ici. Attention, attention, pas de blague. La Chouquet qui est récupéré. Nucléaire qui va le voir. Pas de blague. Odo amené, qui va trouver les limites de sa tankiness sans doute. Oh, Nucléaire qui a pris un harpon, c'est compliqué parce que du coup Nucléaire n'est pas positionné, il va tomber. Nucléaire qui tente une hit and run, mais ça ne suffira pas. Et finalement, Vitality qui fait la différence, l'éradication de Cabo. Il nous a pas forcément impressionné sur son rumble, mais cette fois-ci, celle-là elle était bonne. Ah ouais, il back sur la ward. Et la flèche de cristal directement sur Fedbiven, c'est linké. On a la coupe au catch pour ça. Et c'est vrai que les trois joueurs Vitality qui arrivent pas derrière, on s'y attendait pas forcément du côté des 2K. Là, le back sur la ward fait très mal. Hein. C'est un petit peu dommage, effectivement. Très bonne inspiration cette ward côté Vitality. Je ne sais pas qui l'a mise. Ouais, côté H2K, certes, on a cette Caitlyn en late, mais encore une fois, est-ce qu'une AD centrique sans speed-up sur l'ADC, c'est si fort que ça en late game, tech? Je suis sur un champion comme Caitlyn qui a pas tant de stéroïdes que ça. Je pose la question. On va voir. Hein. Alors attention, par contre, du côté des H2K, là, le grab d'Achille qui sera évité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La cover de Shay peut-être. On ne voit pas de. Pas de route, on est quand même. Ah, quoique la différence est un petit peu réduite là, plus que 3000 gold de différence entre deux équipes. Carrément, Vitality. Bah, oh, Joko. Objectivement, et H2K est pas parfait donc Vitality peut peut-être faire quelque chose, mais bon, c'est dommage que Joko tombe ici sur une contestation de Carapateur. Après, certes, on voulait la vision sur le Dragon Infernal, mais c'est encore mieux d'être présent. Le grab de HNI peut être au grab. On y croit, des exploits ont été faits au grab récemment. Oui. On a eu un skill de Max et support d'MVP contre Katie Rolster. Le grab, ça passera pas, passer de range malheureusement. Et je tue qui ne se laisse pas, décontenancer par la récupération d'un Nashor pour la Vitality. Joko qui à nouveau offre. C'est marrant, c'est peut-être les Vitality ont une chance de l'emporter. Un peu comme la game 1. Joko se dit qu'il va plutôt préférer mourir, histoire de laisser les H2K revenir quand même dans la game. Ah, il voulait contrôler le dragon infernal, mais ça fait quand même beaucoup de morts pour Joko 5 fois en 24 minutes. Et. Aïe. Ouais. C'est quand même dur. C'est pas la meilleure des games là, Joko. Pourtant, à la base, il a un bon Lee Sin. Là, il est juste pas du tout inspiré sur ses déplacements. Hein. Il fait des très mauvais choix. Et ça coûte cher tout de même à ces Vitality qui ont une chance de comeback. Mais attention, par contre, Nucléaire qui prend pas mal de dégâts, mais c'est pas grave, il est protégé par le Shen. Il va s'en sortir, la rédemption derrière. Rédemption. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Puisqu'on a rien vu. L'item magique. On n'a rien vu. Des dégâts, comment ça? Quels dégâts? Shen qui mid life, mais bon, ça va pas forcément gêner. La T1 en top lane qui peut être récupéré. Shockwave plus éradication. Bitch, please. Ouais. Non, j'ai appuyé sur une thème. Oh, dommage, j'avais l'idée là pour le grab d'Ashani. Ah, il est tricky hein, quand même dans ce positionnement de grab Ashani, j'aime bien. Ça ne suffit pas. Les Stukés qui gardent quand même leur avance là. On a repassé à 5000 gold de plus. Alors c'est très étonnant comment les golds varient là. Ouais, mais ça, c'est vraiment les montagnes russes. Et Stukés fait tout de même toujours la course en tête, tech. Ça ne bouge pas. Mais Vitality, après ils ont un Blitzcrank. Et en réalité, Blitzcrank, à n'importe quel moment, ça peut changer le cours d'un match. Ça peut terminer le game, effectivement, Blitzcrank. Même si là, contre les Mega Spears, c'est un peu plus délicat quand même. Sylvain qui donne tout pour essayer le wave clear au maximum. On a déjà perdu presque un quart de HP. Ah, attention, par contre, la Shard de Cabochard pour éviter le stun de la part de Fabivan. Est-ce qu'on pourrait se faire catch quand même? Il essaie de turn Cabochard, les dégâts sur Fabivan. Ultimate, ça suffira pas. Il y avait trop. Trop compliqué pour Cabo ici, qui s'incline. Et qui ouvre un boulevard potentiellement au H2K là pour un push au niveau de la bot lane. On est en place. Ça laisse beaucoup d'espace aussi à Nucléaire sur cette mid lane. On aimerait bien pouvoir avoir la rotation, permettre de prendre l'inhibiteur. C'est peut-être à Odo d'ailleurs de le faire. Mettre de la pression avec le chain pendant que son équipe
push sur la bot lane pour forcer un petit peu l'équipe Vitality à se regrouper. Est-ce que Kabo a une bonne warp pour TP lorsqu'il revient? Oh, ça tue, oui, le ça beurre. Tue. Et cette fois-ci, la flèche de cristal qui follow up bien. C'est pas mal, Choco qui kick. Yonkox, les dégâts sont suffisants. Le double kill à deux pas de Nuke Duck qui force une fatigue finalement nucléaire, tente de mettre des dégâts. Mais nucléaire, on vous le rappelle, il a pas de boost de mobilité. Oh mon dieu, c'est dommage pour un Chenny. Alors là, c'est vraiment dommage, l'éradication. Un peu courte, malheureusement. Un peu trop courte, un peu trop courte. Ça fait quand même des dégâts. Nucléaire, et là, peut-être. Nucléaire, mais oui, il court pas assez vite. Bien sûr qu'il court pas assez vite. Il a aucun soutien de mobilité nucléaire. Ouais, ça manque effectivement les stéroïdes et les tactiques qui peuvent totalement renvoyer chez. Oh le grab, non, ça sera pas, il était un peu loin malheureusement à Chani. Il l'aura tenté. Et du coup, on perd 3 joueurs cette agression. Les HPK qui ne peuvent pas vraiment profiter de ce push sur la mid lane. On va revoir la flèche de cristal qui touche à Febiven. C'est juste la shockwave nature en fait. Attends pour moi. Ça qui est linké sur Yankos derrière. Claire qui est obligé de s'avancer un peu, mais son heal trop tard malheureusement. N'empêche que cette game est drôle parce que on n'est pas sûr. On est vraiment pas sûr de l'issue finalement Tech. On avait vraiment l'impression qu'Eshuke avait les choses en main. Puis il y a eu ce trade assez étrange où Vitality finalement prend un baron, mais genre le baron power play était pas. Ils ont quasiment rien fait avec. Oh, les et les gars qui a expliqué dans la teamfight, non, mais wow. Sérieusement. Il peut pas taper. Par contre, Nuke Duck, 4000 dégâts. C'est bizarre parce qu'il loupe Mash Shockwave. Celle-là, elle a touché quand même. Mais celle-là a touché, il a fait un bon fight, là, Nuke Duck. Mais encore une fois, ça m'oblige à ne pas vraiment. Pas. Je peux pas savoir ce qui va se passer, Tech. Je m'attendais à ce que ce scénario-là arrive dans le DOBO qui va suivre en fait. Genre des games où tout est possible. Et là pour l'instant on va. Pour l'instant les Vitality qui font la différence. Mais ce n'est pas fini pour H2K malgré le gros avantage récupéré en début de partie. Où est-ce qu'on en est du côté du nucléaire? Il faut regarder quand même l'intimidation de la Caitlyn. QSS. Deux items ennemis. Pas trop mal là le positionnement nucléaire, on pourrait peut-être aller chercher des dégâts intéressants, mais pour ça il faut que Odamné mette suffisamment de pression pour lui laisser le temps de mettre en place les dégâts du Caitlyn, qui on le rappelle n'a pas vraiment de stéroïde pour se booster derrière. Ouais, Shuke se repositionne au niveau du mais vraiment pour nucléaire, quel dommage de pas avoir juste cette karma en fait. La karma aurait été tellement bien, la lutte aurait été parfaite, mais a été bad par les Vitality. Ouais. Après ils ont. Fait le choix de prendre la Syndra avant. De manière quand même assez étonnante. Et le baron Nashor est de retour, Tech. Et là, attention, on va voir de quel bois se chopent les deux équipes. Mais tout est possible, semblerait-il, en teamfight. Pour l'instant, Eshuke a l'avantage de la vision. Vitality va peut-être devoir faire shake, mais ils ont des outils avec la boule d'Oriana. Avec également le scout de cette hache. On essaie de bait un petit peu. Marguerite qui va venir pour tanker un peu. Shake qui fait de son mieux pour essayer de zoner l'adversaire. Non, j'ai pas entendu là. Du côté des H2K, finalement, on va à 10 engage sur ce Nashor. On va essayer de regarder la vie là. On fait le grand tour. Du coup, la terre en mid lane qui va tomber. C'est un petit peu dommage à part des H2K. On avait le positionnement. Il n'y a pas de vision du côté des Vitality. On aura pu le bait à l'infini. Le roux, ça ne passera pas sur Nuke Duck, c'est Juke. Par contre, là, c'est sur Juke. Est-ce qu'on peut follow? Peut-être la part de follow Biven. La Shockwave qui touche, Biven. J'ai le cristal derrière, Biven qui va tomber. Et encore, à nouveau, les Vitality qui font la différence. Par contre, attention, Nuclear qui commence à déplacer là auprès de ses coéquipiers. Il a scoré un doublé là-dessus, Joko. Attention, Odoamne qui va tomber également. Ce fight est bon pour Vitality. Ce fight est très bon, Tech. Il domine, il perd seulement à Shani. Moi, ce que je propose, c'est que Biven arrête de prendre une Shockwave gratuite alors qu'il a un flash. Ouais, il avait flash et Biven. Ça va commencer à être. Ça commence à se voir quoi. Du côté de Febiven là. Va falloir faire attention. Mais bon, Febiven 2017, c'est pas Febiven 2015. Clairement pas. Clairement pas. Et du coup, le Nashor peut-être pour les Vitality. On a pas grand chose pour le tanker. Joko va se tenter au maximum. Il a le shield de la Oriana. On perd quand même beaucoup de points de vie. La Kamoshar aussi qui est assez low. Et ça tombe quand même très très vite, mine de rien. Et le Nashor qui va être sécurisé par les Vitality.
second Ashor de cette équipe. Là, on va revoir. Il y a un moment, faut flash quand même. Hein. Enfin, faut flash un truc. Ouais, si tu flash pas la Shockwave, peut-être que tu pensais être en range grâce au Gossogoss, pourquoi pas. Non, mais genre, grid à ce point ton flash dans un moment où c'est aussi crucial, c'est quand même très dommage. Ah, bon, il faut quand même préciser que Vitality a pas fait grand chose sur leur dernier Baron Ashor. Ils ont eu un power creep de plus 1000 gold. Mais peut-être que ce sera différent pour cette fois-ci tech. Là on va être un peu mieux placé quand même. De rien. Et encore en termes de dégâts dans les teamfights, ça change quand même beaucoup de choses. L'indication de Cabochard qui fait la différence. De Amné qui fait presque le plus de dégâts dans son équipe. Je sais plus comment il a trouvé les dégâts de Amné. Comment le Shen peut être number one? Il y a un petit peu d'AOE quoi. Mais bon, c'est vrai que comparé à la clip nucléaire qui est censée mettre quand même 2 sous attaque, ça devrait au moins compenser les dégâts du chêne. Sur la botlane, ça peut vraiment pas être défendu là, du côté des Ashu Cake. Ce serait très dangereux, je pense, même de rester trop longtemps. Nubduck est bien positionné peut-être pour une Shockwave. Il va peut-être pas la run, il va falloir flash in à mon avis. On zone beaucoup, donner ça va être difficile de tenir pour Vitality là. Enfin, pour Ashu Cake, pardon. Oh, la qui a touché. Sur Odo amené, avec derrière la rédemption. Ashani, honnêtement, il avait un coup à jouer. Hein. Il avait un grab à tenter, je pense. Ouais, il l'a pas tenté, il a eu le flash pourtant. Après, il y a le flash sur nucléaire aussi, donc il y avait. Mais bon, honnêtement, tu forces le flash sur la Caitlyn, elle est pas bien derrière. Je suis d'accord. On va essayer de défendre la Tetra, tu devrais être un peu plus facile à défendre, je pense. Il va juste falloir réussir à clear ces spires canons là qui commencent à tabosser quand même assez fortement. Il va mettre les plantes, il suffira pas malheureusement. On va se faire gratter la tour au fur et à mesure malgré tout. Vitality qui relâche un petit peu la pression. On va attendre la prochaine vague de creep pour l'instant. Et Cabochard lui qui fait progresser les autres vagues sur la carte. Ouais, Vitality qui s'approche petit à petit du Saint Graal, à savoir un inhibiteur. Ce serait parfait effectivement. De toute façon, le trap de cette Caitlyn, hein. Et à Shani, s'il peut ajuster un grab, ça pourrait faire très mal. Oh, Joko. Il pourrait s'envoler, il a un ange gardien. Et Shockwave sur Shay. Shay, il a fait le cristal derrière, ça touchera sur Yankos. Ah, c'est Yankos qui l'encaissera là pour son support. Un petit peu agréable la lightbox de la flèche pour le coup. Et le grab justement sur Yankos, on en parle avec Magaride peut-être derrière pour le protéger. Est-ce que ça peut suffire? Il y a une également. Yankos qui prend beaucoup de dégâts, qui perd l'ange son gardien, l'ange gardien, il faut le couvrir là sur la sortie. Yankos s'en tire à rien du tout. Et Joko aussi qui s'en tire, pas de problème. Nucléaire qui s'est fait zone, l'indication, c'est pas trop mal fait, on n'a pas la rédemption de up encore. Et du coup on va pouvoir forcer la tour et l'inhibiteur pour les Vitality. Ils sont en train de le faire Chips, ils sont en train de le faire les Vitality. D'aller battre H2K en BO3. Et alors ça, je l'aurais pas parié honnêtement. Non. J'avoue que si j'avais... C'est pas fait Tech, c'est pas fait. Mais encore une fois, je vois moins de capacité de comeback pour H2K sans un speed up sur la Caitlyn. Bah, la Caitlyn n'a pas beaucoup d'options. Hein. Quand même, pour aller DPS en fight, on le voit, hein, il a beaucoup beaucoup de mal nucléaire à s'avancer. Attends, il a un rapid fire cannon, ça va peut-être un petit peu l'aider. Ouais, mais il a toujours pas cette mobilité. Je comprends pas Proly. Il en a fait des drafts à des centriques dans sa vie. Dans quel monde il a pu se dire que ne pas piquer Karma était une bonne option? Vraiment, je compte parce que là, H2K avec Karma, bah, ça n'a rien à voir en fait. Nucléaire peut jouer tout simplement. Ouais, effectivement, en termes de DPS, ça ferait la différence. Là pour l'instant, c'est Sylvain hein, qui est tranquillement en train de DPS derrière. Puis il a surtout l'avantage d'avoir une frontline qui met beaucoup de pression. En la personne de Cabochard et de Joko. H2K est toujours dans une solution très défensive là quand même. On est ultra groupé, personne pour aller fuir le botlane qui n'est pas encore arrivé pour l'instant. Mais ça ne saurait tarder. Bah on peut leur play plus de 1557. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Côté Vitality. On a réussi à progresser. Et les traps, ah, c'est pas une très belle ligne de la part de nucléaire là. On a déjà vu mieux du coup de la part des Caitlyn. Le sens de la géométrie de nucléaire, ouais, est contestable. Ça, c'est le genre de choses qui peuvent rendre fou certaines personnes.
quand tout n'est pas bien aligné. Ouais. Attention, un grab d'Ashani, ça peut aller vite. Mais en même temps, il faut choisir les bons champions. Grab le chêne, par exemple, n'a pas beaucoup d'intérêt. Regardez ce va-et-vient. Oh, le grab, peut-être Shane, est-ce qu'on peut suffisamment parfait, les dégâts. Mais non, il est pas mort, Shane. Il est toujours pas mort et la rédemption pour le sauver, ça arrivera trop tard. Il est tombé, c'est peut-être pas fini là-dessus. Shockwave sur Baby Bird. Nuke Duck, c'est pas mal du tout ça. Les Shookers doivent reculer, les Vitality qui prennent la T3, tech. Inhibiteur derrière. Et là, ça sent quand même très bon pour Vitality. Ouais, je vois mal comment Shookers peut survivre en fait. Attention, par contre, on pose peut-être le route. Flash de Gamocher, le taunt qui va toucher sur Joko. Est-ce que c'est vraiment la meilleure cible, Joko? J'en suis pas sûr. Là, mais il va tomber un moment quand même. Et Joko, oula. Bon. Ok, c'est Lucas qui prend le kill. Bon, Joko qui est tombé finalement. Il affronte l'Ainé, comme on dit chez nous. Il n'y a pas de stéroïde pour les rattraper derrière. Oh, le stun. Et encore, qui met un Q ou pas? Non. Nucléaire, il va pas oser. Il va pas oser aller chercher Ashani. Mais pendant ce temps. Du côté de Damien, on est obligé de défendre les tours du Nexus. Alors, on est parti. On est passé de H2K en train de dominer totalement, détruisant les inhibiteurs adverses, à des H2K en train de défendre péniblement leur propre tour. Le comeback d'Imkaichi est total. Et le va-et-vient entre les deux équipes se répète. Allez, le dragon ancestral. Et H2K qui prend l'initiative. Ça pourrait se payer. Steven qui bombarde le dragon avec un blue buff. C'est clean de creep, enfin de piège. Vitality ne veut pas la franchir, tech. Et ça leur coûte un dragon ancestral. C'est compliqué pour Vitality parce que. Bon, ils vont aller au Nashor. Hein. Ouais, bah alors tu veux défendre un Nashor. Enfin, tu veux prendre un Nashor contre un dragon ancestral. Là, en termes de défense, les H2K sont très très bien. On a en plus là, l'orbe bleue voilà, qui a été mise en place. De la part de Nucléar, ils vont vouloir fight. Ça descend très très rapidement. La rédemption s'est sécurisée. Est-ce qu'on peut empêcher le back? Peut-être. Le kick de Joko, Cabo. Il n'a pas de flash, Cabo. C'est fini pour Cabo. Qui va tomber. Par contre, Nucléar qui a pu faire. Il n'y a rien là. Et pendant ce temps-là, regardez les creeps qui sont en train de faire le boulot. Mais Shukai va prendre un back. Joko. Joko, il va canceler les backs. 1 à 1, Joko. Il ne trouvera pas celui de Febivel malheureusement. Et la tour. Oh. La flèche style sur Nucléar, ça force la QSS. Et la première tour de Nexus qui tombe. Oh. Intéressant, Vitality peut retourner mettre de la pression, peut-être aller prendre le troisième inhibiteur du match. Malgré leur infériorité numérique, ils ont quand même une très grosse force de siège. Surtout que H2K n'a pas d'énorme capacité d'engage tech. Ça c'est un gros problème pour eux. S'ils perdent l'ascendant dans le match et qu'ils se font siège, ils n'ont pas 10 000 façons en fait d'arriver à revenir. C'est fou le nombre de situations qu'ils perdent parce qu'ils sont passés de speed quand même quoi. Ouais. Ah, complètement. C'est assez fou. Et ça, je pense qu'on doit s'en mordre les doigts. Du côté des H2K là. Steelback un petit peu en retrait. Il aimerait bien trouver une flèche de concert peut-être sur quelqu'un pour essayer de conclure cette game sur les chapeaux de roue. Les anges gardiens commencent à apparaître également tech. 40 minutes de jeu. Et on est toujours sûr de rien dans ce match puisque les inhibiteurs. H2K reviennent désormais. L'ange gardien de Joko qui a eu le temps de rip-up. Rod pour Jankos. Allez, c'est faire. Parti. Ouais, full utilitaire là. Pour le coup, ça sont piqué Jankos. Allez, derrière le gras, ils sont allés renforcer les shields. Et maintenant, on va quand même beaucoup compter sur Nucléar. On va essayer de DPS. Un bon stuff là, Nucléar. Un petit peu de lifesteal. Lex Drinker pour essayer de limiter un peu le burst qu'il peut prendre, notamment de la part de Cabochard. C'est la même chose au Gold Tech. On est juste à égalité. L'avantage Vitality, parce qu'ils ont le Nashor. Il y a l'inhibiteur qui a nu. Ouais, mais il va bientôt se finir ce Baron Nashor en fait. Ça fait quelques minutes déjà. Il reste 1 minute 10. Pour le Nashor. Ils vont pouvoir prendre un inhibiteur, les Vitality. Ou est-ce qu'on va se diriger vers un allongement de la game finalement, tech? C'est une game qui pourrait durer très longtemps. S'il passe pas là. Bon, par contre, attention, on grappe peut-être la part de la chenille. On va mettre Marguerite devant pour le protéger. Et le kick de Joko sur Odo amené. Renvoyer le chêne chez lui.
faire la rotation. 17 kills à 12 en faveur des H2K Tech. Du coup, ce serait pas mal de faire d'amener au moins une personne à récupérer une vague de farm au niveau de la mid lane pour pouvoir faire progresser la lane. Parce que pour l'instant, mais ouais, c'est vrai que c'est très dommage qu'il n'ait pas ce contrôle de toutes les lanes en termes de push. Le cristal, ça va toucher sur Shay. On n'ira pas plus loin, malheureusement. Ashani le grab à nouveau. Si on doit amener, on n'arrive pas à trouver les engages du côté de Vitality. Attention, dégâts nucléaires quand même. On essaie de gratter côté Vitality, on enchaîne. Mal, on est passé. Ce que doit amener peut-être peu. Non, à nouveau un kick de la part de Joko. Dès qu'on a des avances, c'est pas mal. Oh, Nuke Duck il s'est attrapé malheureusement. Nuke Duck qui tombe ici. Est-ce que les H2K peuvent prendre un nucléaire, double kill. Nucléaire, il n'a pas eu le kill sur Nuke Duck. Oh non, oh l'erreur. À nouveau un millénaire qui tombe avec son flash up. Et la shockwave du coup qui ne sera pas utilisée. Les H2K qui vont essayer de remettre la pression, récupérer l'inhibiteur en mid lane. Malheureusement sur la top lane, l'inhibiteur Tops qui est tombé à nouveau au dernier qui n'arrive pas à défendre. Oh, oh Joko peut-être le TP de Cabo. Le TP de Cabo à Joko. Ils vont tenter en combinaison de mettre à mal au dos amené. Ça va être difficile, hein. Le chain il peut tenir bon. Le kick de la part de Joko. What, c'est un base race. Mais attention, Fabivan KTP également. Le flasher de Fabivan qui va crucifier Cabochard. Et les Vitality vont échouer dans leur tentative. Tech. Ils sont en train de jeter cette game, Vitality, alors qu'elle était à bout de bras. C'est fini. Oh non. Oh là là, les H2K qui finissent par s'imposer. Ouais. Et qui iront remporter ce BO finalement. Le Nexus qui tombe. Victoire des H2K. Une AD Centric sans speed up en late qui gagne. Mais pas besoin quand le midlaner avert se jette dans un trap. Ouais. De grands midlaners aujourd'hui, de grands midlaners. Ils ont été très très forts à la midlane, je suis d'accord que là ils sont. La tradition européenne de la mid lane se perpétue à travers les âges. Fabivan qui offre un comeback comme jamais vu après avoir choke 3 shockwave non flash. Et au final, c'est un peu injuste pour Vita parce que Nuke Duck il a merdé un fight. Ouais, il a merdé un fight voilà. Vraiment. Mais... Et c'était celui de trop. Mais après, plus on s'avance dans la game et plus la moindre erreur peut être punie puisque les temps de respawn augmentent. Effectivement, H2K. Honnêtement, c'est difficile pour H2K d'être satisfait de leur série d'aujourd'hui. Hein. Ah oui. C'était pas très bon. C'était... Et ça méritait à côté Vita, ça méritait beaucoup. Oh, on a eu un beau visage de Vitality au final. C'était un visage avec Nuke Duck en carry quand même, c'est suffisamment rare pour être signalé. Mais ouais, on aurait aimé que ça aille au bout. Hein. Ouais, clairement. Mais l'histoire n'aura pas voulu que ça se passe. Et H2K qui l'emporte. Il y a quand même pas de quoi être fier hein, côté H2K. Draft, vraiment pas terrible, joueur pas haut niveau. Ce soir, Pro League sort la ceinture. Bah, il peut souhaiter lui-même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En termes de draft. Le non-karma Lulu est pour mettre une Zaira toute moisie qui a été un vrai handicap hein, en vrai pour cette équipe. C'est clair que c'était pas non plus le choix le plus judicieux. Pauvre nucléaire, il a passé une game pas fastoche. Ah ouais, hein. On va tenter, mais bon, il est pas aidé par son équipe quoi. Il a des shields qui vont jamais sur lui parce que tout le monde, quelqu'un se trouve dans le catch à chaque fois. Mais il a réussi à faire quelque chose. Il a pu DPS un peu sur les derniers fights, notamment effectivement. Ouais. Aider un petit peu de Nuke Duck qui s'est offert aux sous-attaques de la Caitlyn. Et du coup, messieurs, ça fait 2-1. 2-1 pour H2K. Ouais. Alors, honnêtement, aujourd'hui, je m'attendais à voir des games un peu clownesques dans le Giant versus Fnatic. Qui arrive. Ça n'est pas forcément à le voir dans le H2K Vitality. Non, clairement. Mais bon. Non, ça a été très bon. Et puis, c'est assez rassurant pour Vita au final, parce que tu te dis qu'après avoir eu des résultats comme ça sur une pente remontante, tu peux te dire que, ouais, on va vouloir bosser un petit peu le roster pour le Summer Split. Peut-être pas non plus tout prendre, tout dynamiter, mettre une bonne dose de C4 et juste renvoyer tout le monde à la maison et faire l'essai avec notre line-up. Non, c'est ça une line-up qui, on le voit ici, elle peut être intéressante si elle arrive à maturité en tout cas. Ouais, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses à corriger quand même. Il y a beaucoup faut de routes. Que les joueurs soient plus attentifs à ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même des trucs sur lesquels ils se font prendre à défaut qui sont quand même complètement évitables en fait. Et c'est dommage de perdre un match sur ce genre de fait de jeu. Après, voilà, c'est League of Legends et H2K s'impose. Mais bon, les deux équipes sont... Enfin, voilà. Après, H2K est sans doute plus critiquable que Vitality parce qu'ils sont censés être archi favoris et qu'ils ont sacrément ramé.
Ouais, ils ont vraiment pas été bons. Honnêtement, les Chukiers, c'était pas très agréable à regarder, malheureusement. Ils n'avaient pas Fabiven qui était vraiment en demi-teinte aujourd'hui, qui nous a sorti trois Syndra, si je ne m'abuse. Ouais. Les trois Syndra qui étaient pas vraiment incroyables. Ouais, il y avait des stuns, il y avait des sur air, quoi. Mais Exactement, il n'y avait pas de setup de multi-stun ou le fait que tu te pointes autour du baron était là. Bah, je peux tous vous sasser des pop à mec, donc allez-vous-en. Il faisait pas peur du tout et ça donnait un petit peu plus de confiance à Nuke Duck. Mais Nuke Duck, pour le coup, qui, quand même. Il était pas mal, hein, sur ça, il avait, bon. Il avait le torse bombé, il était face à Fabiven, il a pas du tout faibli. Ouais. Et la pression du First Blood King n'en a rien fait. Ouais. Et même lorsqu'il a vu son jungler partir dans des invades un petit peu farfelus et mourir First Blood contre un Ivern, il a pas paniqué pour autant, alors que ça, c'est un fait d'arme quand même de se faire First Blood par un Ivern. En invade, c'est du lourd. Ça arrive rarement, on est d'accord. Et donc, messieurs, tout ça, ça consolide la place des H2K qui maintiennent leur position de deuxième dans le groupe B. Bon, pour Vitality, on passe à 9 défaites en BO et toujours 3 victoires. Et comme on le disait, ça change rien, ils sont assurés d'être neutres en fait. Ouais. Ils n'ont plus rien à jouer. Du coup, messieurs, alors le prochain match, ce sera le fameux Fnatic contre Giants qui compte beaucoup. Puisque ce groupe A finalement est animé au niveau de la dernière place disponible pour les playoffs. Ouais, effectivement, Fnatic qui n'est pas forcément serein sur sa capacité à ne pas être en relégation en fait. Hein. On a deux niveaux de BO de retard sur les Giants. Ça peut aller très très vite, surtout si les Giants remportent leur confrontation directe face à les Fnatic qui sont quand même, on va pas se le cacher, en demi-teinte actuellement. Ouais, c'est compliqué, hein, Fnatic ne sont pas très bons. Ouais, il y a beaucoup plus de danger quand même pour être esquiver les playoffs, mais être dans la situation Vitality, c'est-à-dire avoir le safe spot, que pour redescendre. Mais effectivement, c'est possible, Fnatic, ils sont entre les deux. Et maintenant, c'est le moment de choisir la place dans laquelle on veut être en fin de saison régulière. Et vu la line-up qu'ils ont allongée, vu les annonces qui ont été faites, et vu le début de saison aussi, Fnatic qui a été très convaincant, un autre résultat que au moins accrocher les playoffs serait hyper décevant. Oui, surtout que ce serait encore une fois la première fois que Fnatic qui n'irait pas en playoff en LCS Europe. Ce serait quand même un sacré drame. Alors, on va avoir une interview normalement. Est-ce qu'on a une information en régie? Ok, bon, bah, on va attendre un peu. Okay. Voir Jankos venir trash talk sa propre équipe. Bah là pour le coup, je sais pas qui c'est qui va être interviewé, mais il a intérêt à être un petit peu plus honnête, je pense. Il a intérêt à avoir le sens de l'autocritique et de l'ironie. J'avoue, et choisir les bons mots pour ça. Qui est-ce que vous mettriez comme joueur de la série? Moi j'allais dire Akani, mais il a perdu quoi. C'est une super bonne question. C'est une super bonne question. J'ai envie de dire. On a l'interview, donc on va voir. First of all, congratulations on the win. Yeah, thank you. Let's talk about game three, because you were losing for such a long time, but you managed to win in the end. How did that feel? I almost lost. I think today we could lost because it is really important experience. Yeah. We have to improve. In order to improve, I think we could lose today. Yeah. 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 It was very well played. Do you have anything to talk about? Maybe the communication and how you were talking to your teammates in that game number three. Game three, we communication like. We are fine. We can win. Like we can still win. And don't tilt. Yeah. Like yeah. Did the Blitzcrank make you want to tilt? Was it difficult playing against Blitzcrank? I really don't like. I really hate against Blitzcrank because he make me like very careful. Yeah. It's the same for me. I hate Blitzcrank. One last question. What was Proly saying during picks and bans when you saw the Blitzcrank locked in? Wait, what? Yeah, Proly say, hey, don't tilt. Yeah. Well, great advice from his coach. Congratulations on the win, guys. Well played. Thank you. Yeah, thank you. Awesome. Thank you for sitting with me as well. We're going to head to an ad break. When we come back, Fnatic will take on Giants. Bah, en vrai, c'est sympa d'avoir les Coréens qui se bougent et qui parlent un peu anglais en interview. Bon, après, on les sent pas encore prêts
pour un bombardement massif de questions, mais Evian, il joue le jeu. Don't tilt, avait dit Proly. Donc face ouais, il joue le jeu, mais ça aurait été plus sympa quand même d'avoir quelques informations, peut-être avoir un traducteur ou une traductrice, parce que là, j'avoue que l'interview, t'es en mode, ouais... oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr, mais bon... Ils vont sans doute up leur skill en interview, tout ouais. que ça va venir. Bien, du coup, on va pouvoir se laisser là et on va se retrouver dans tous les cas dans quelques minutes après la pub ouais. pour le deuxième BO3 de ces LCS Europe et celui qui conclura bien sûr cette session. Il s'agit donc de Fnatic contre Giants, un match très important parce que finalement, Giants a encore une chance de ne pas être en promotion tournament. Ouais. S'ils gagnent ce BO, ils gardent de l'espoir. Pour Fnatic, tu l'as dit, Twix, ils sont entre deux os. Et tout ça, ça concerne aussi Rocket qui vient de passer hier en play-off, en groupe A. Donc là, vraiment, c'est un match important. Est-ce que pour autant, on va avoir un match clean, etc. ? Je ne pense pas. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer. Et bien entendu, restez avec nous pour suivre tout ça. Les aventures des Fnatic et des Giants en BO3. C'est après une page de pub. A tout de suite sur Eurogaming.